les maps, mais je les ai déjà zappées. Donc apparemment, on partirait sur du Mirage Cobble, puis Overpass, un map pool ô combien stylé. Donc on devrait avoir un BO3 assez intéressant. Cependant, pour le CW, il va être très compliqué ce BO3. Parce que ouais, de base, à mon sens, ils sont pas favoris. Et surtout quand on voit les maps, enfin quand je vois Mirage VP dessus, bon bah ils sont un peu solides quand même. Là on part sur Cobble. Ça va être quand même tendax, je pense que t'en penses. Bah Cobble ils ont leur mot à dire quand même, je sais pas si ils passeront vraiment, c'est vrai qu'ils ont leur mot à dire. Mirage ça risque d'être compliqué quand même, les VP qui se débrouillent bien depuis quelques temps, parce que. Et les CPH qui ont fait une bonne grosse série de défaites, ça risque d'être compliqué. C'est vrai, les CW ont beaucoup de mal en ce moment, hein. Bon après c'est normal, hein, c'est une équipe jeune, ça. Donc, ils vont se mettre en place tranquillement. On va présenter vite fait les équipes, notamment les CW pour ceux qui les connaîtraient pas tous. Donc on a SMF, MSL, Freeze, Hyunden, Acillion, Freeze, énorme sniper. Et côté Virtus Pro, je te laisse présenter les ceux qu'on ne présente plus, mon cher Play. Bon, on a le droit à Neo, Passa, Taz, Stax et Biali comme d'habitude. Mais assez bons joueurs, c'est vrai. Ouais, c'est Freeze, qui, Freeze qui est de retour, qui a eu un gros souci d'ordinateur hier. Il a dû être remplacé, il est de retour pour. Ouais, j'ai vu qu'il avait été remplacé, que ça leur avait quasiment coûté le BO3 en fait. J'ai vite fait vu de loin. Et apparemment, ça les a pas mis bien du tout, hein, les CW, ce remplacement. Encore que le remplaçant n'avait pas l'air d'être si mauvais que ça, de ce que j'en ai vu. Ouais, c'est vrai qu'il se débrouillait. Bon, là, avec le retour de Freeze, il devrait se poser tranquillement, ça devrait bien se passer. Pas de problème. Surtout que Freeze, hein, je vous le dis, c'est quand même un énorme AVP. Hein, donc, vraiment, attention à ce joueur. Je pense qu'il va falloir le suivre. MSL également, c'est le genre de mec qui est capable de faire 40 kills un petit peu n'importe quand, comme ça, c'est sur demande. Au claquage de doigts, pouf, 40 kills qui pop. Il faut faire relativement attention à ce bonhomme. Après, côté VP, normalement, on est tranquille. Hein, il devrait pas y avoir de surprise. On a quand même 5 grosses brutes même. Contre des CW un petit peu en mal de victoire en ce moment, donc logiquement on devrait avoir un BO3 assez safe pour les Polonais. Exactement. Bah, toujours en warm-up, hein. Tout le monde est là, on va bientôt partir en knife round, je pense. Il y a bien un knife round ? Effectivement, il y aura un knife, hein, donc c'est classique, on aura un petit couteau pour savoir qui va commencer où. On est sur une map quand même relativement bien balance. Pas spécialement avantage CT bien que ça soit le easy side, mais bon on est sur du 60-40, hein, ça reste relativement jouable en terreau à partir du moment où ça court pas n'importe comment partout. L'équipe qui commence en terreau en tout cas aura son mot à dire quoi qu'il se passe. C'est vrai qu'on a vu des bons gros side terreau, mais je pense que l'équipe qui va gagner ce Nine Front va partir sur un CT. En tout cas, là. Je pense que le seul problème vraiment de Mirage, enfin même pas un problème, c'est en tout cas dans la méta actuelle, c'est vraiment cet appartement B. Que beaucoup d'équipes ne jouent que très peu en dehors vraiment des rotations, genre on fait une énorme fake A et après on part en B, voilà c'est le seul moment où on va le voir ce BPB, ou alors éventuellement sur des échos, sinon ce sera systématiquement de la CPLA et vraiment tout le temps de la CPLA, enfin sans déconner, hein, j'ai pas la stat exacte, c'est juste une impression que j'ai, mais j'ai vraiment une impression que c'est du genre du 20-20 par rapport au BP, c'est vraiment 80% du temps sur ce BPA, ce qui je trouve est plutôt assez paradoxal sur une map aussi ouverte que Mirage, ce qui rend je trouve le jeu relativement facile à lire pour des TT entre guillemets guéris. Quoi qu'il en soit, on est parti pour le couteau et c'est Neo qui va prendre le first blood. Direct CPH, Freeze pardon, qui va prendre le deuxième kill au couteau et on va voir un peu comment ils vont se débrouiller. Donc Acillion qui prend le troisième kill, Taz puis MSL, ça va, ça se promet bien. J'allais dire que ça partait du coup pour les CPH, mais les VP qui se débrouillent bien et qui vont chercher enfin, le Nifrand. Les VP, le Biali quoi. Le Biali, c'est ça. Tout va bien, il était serein, il a pris ses kills. Du coup, ça va certainement swap évidemment en CT. Les VP voilà. Qui vont donc commencer Easyside. J'avais pas fait gaffe, mais il y a un nouveau petit ATH côté GoTV pour la Star Ladder. Je sais pas si tu vois les logos qui en haut, notamment Red. Oui, je les vois. Qui est avec moi depuis longtemps. C'était pas comme ça avant. On dirait qu'ils sont un petit peu en relief, c'est plutôt stylé. Ouais, c'est pas mal. Mais ça rend pas mal. Le match qui va commencer doucement pour le gun round. Allez, gun round terreau, ô combien important, on le sait. Puisque, bon, évidemment, c'est compliqué d'acheter des rounds en terreau sur cette map, bien qu'elle soit relativement ouverte. Et voilà, on le voit, un pistol round, c'est 80% du temps en B. Comme et les voilà, échos, c'est un bon gros rush B. Alors, on a 5 Kevlar, 5 terreau, 5 en B. Ah, donc, on a Stax qui va prendre l'info, mais je pense que. Voilà, la petite grenade. Et bim! Allez, et ça va se rabattre tranquillement. La bonne grenade.
Il y en a un à 6, Anden qui a 6. Bah, énormément se trouer le post Snax, il avait 2 kills gratuits à faire, ça va pouvoir passer tranquillement avec la rotation qu'il a. Voilà, il s'est fait récupérer Taz qui était derrière, mais il s'est pris un bon gros, une bonne grosse tête de freeze, et du coup, on a posé la bombe et on est en 4 contre 3, c'est bien parti pour le CPH. On a 2 CT en plus qui sont derrière cette corniche, ça va être compliqué pour eux de reprendre, mais ah, non, il m'a ramené. Super kill de Pazza. On est en 2 contre 2, et 2, 1 contre 1, c'est très lourd des deux côtés, ça va être compliqué. Miali qui va avancer. Il l'a vu. Il l'a pas vu. Ah, attends. Il vient d'entendre. Ah, Miali qui va prendre le kill. Et qui va avoir un peu de mal à diffuse. Non, ça devrait aller, il a pris un kit. Ça va boum. Ah non, ça va péter. Même avec un kit. C'est un très bon pistol round de la part des CW. Malgré qu'il ait été très bien géré par les VP sur la reprise de VP. Hein, les kills ont été sécurisés en 3v4 si je ne m'abuse. Mais voilà, je pense que le fail de Snax a coûté le round. Il avait vraiment 2-3 kills gratuits à prendre. Il a pas pu sécure et derrière bah, ça a accéléré très très rapidement côté CW, donc ça en haut de mérité, on part sur un force buy classique côté BP. Force buy classique, on avance bien vers A. On se met 2 à 3 par le short, ou je sais plus le nom d'ailleurs. Si tu pouvais me position. Ou la Panta, la cuvée, ouais, n'importe quoi, l'escalier. Un petit peu comme tu veux. Voilà. On est en 2 sur A, 3 sur A, pardon, 1 sur mid assez avancé et 1 sur B. Donc, là, les VP sont quelque chose de très bien. Les VP, c'est un round d'armée, ça prend l'info et ça tombe directement. Et on est déjà trop bien ce VP. Bon, il n'y a plus que Bialy maintenant, puisque il a été séparé de ses mates avec les stuff. Mais Bialy solide, ça va être un bon gros one sur MSL. Ça rabat assez rapidement. Ça s'est rabattu assez rapidement. On va poser la bombe. Petite smoke sur ce qui va empêcher complètement Zach de prendre le kill. Il a failli prendre le kill. C'est passé, il n'y avait pas grand chose. SMF qui a 10 HP, il va être un petit peu reculé, il va avoir un peu enfin, du mal à défendre cette bombe, mais il va être bien bien là. Donc on a un kill de Néo, tiens, à travers, j'ai pas vu, j'ai 3v2. À travers le Get Right, tout simplement, sur SMF qui était low HP, le deuxième kill qui est sécurisé par Pacha, va toucher la bombe, on sait où est Yunden, il n'y a plus qu'à cover et maintenant, du coup, là, et ça va arrive, et il est mort, ok. Le Forbel qui passe, et qui va être magnifique, et du coup, on garde deux SG, on récupère les AK, on fait plaisir. Qui ont fait tellement mal le poulet. On a vu Airshot passer côté Pacha, côté qui c'était qui l'avait aussi. Je crois que c'est Snax, si je dis pas de bêtises. Ce qui a fait le taf également avec. Franchement, c'était super propre. On a vu une très très belle reprise de VP et le Force Buy qui a passé un partout. On est en écho côté CPH. Un écho côté CPH. Ça a passé. Ça va rush mid ou B. En général, ça court souvent en B. Ouais, ça court B. Il y en a un qui passe par mid. Qui vont peut-être se faire. Qui vont peut-être se faire récupérer par. Petit souci, j'ai un petit mec par Pacha, pardon, avec son. Enfin, ils vont passer le super headshot de Pacha qui va mettre un autre headshot magnifique. Et du coup, bon, on est plus que deux, on est tout seul. Et 4 contre 1, ça va être compliqué. Voilà, donc c'est récupéré. Facile du côté des Virtus Pro. On va tomber une arme, mais c'est pas. Et Pacha qui sort la triple pépite, hein. Il a quand même eu 3 HS. Et là, il y a quelqu'un qui me fait plaisir sur le chat. N2C63 qui dit il faut nerf ce scout tout en jump. Je suis 1 000 000% d'accord avec toi, c'est vrai que ça fait très mal. En sautant. C'est pas normal que ça tire tout droit en sautant, très clairement. Les dégâts, tout ça, c'est normal, hein, y a pas de soucis. Par contre, en sautant, faut pas déconner. Et le Tech 9, évidemment, hein, tirant en courant, 32 balles tout droit, 132 dégâts à 10 mètres. Enfin, c'est n'importe quoi cette arme. Mais c'est vrai que le scout en sautant, faut faire quelque chose. Hein, parce que les pépites en l'air, c'est quand même bien débile. Sur un jeu qui se veut compétitif, je trouve ça un peu chelou. Bon, on l'a vu, Pacha qui a fait le triple kill avec, on l'a vu, donc c'est vrai que c'était assez violent en ce temps. Ah, du coup, du côté, ben, on se met bien côté VP, on est 3 sur A, dont 1 qui est plus tourné vers mid, 1 sur B et 1 qui est un petit peu mid, voilà. Et on essaye de prendre l'info, j'ai l'impression du côté des CPH, ils vont se rabattre doucement vers A apparemment. Et juste pour conclure sur le scout, l'Hostet il nous dit je trouve ça intéressant d'avoir une arme si précise, sachant qu'il OS pas, détrompe-toi, hein. Si t'as pas de Kevlar. Sans Kevlar, ça one shot. Hein. Et bon, ça déclenche encore en train un petit peu, ouais, ça avance sur le bah, round d'armée égale CPL, hein, comme prévu. Ouais. Tout va bien. Et du coup, ah bah, SMF qui avait pas vu Bialy, et du coup, bah, il va tomber. Bialy qui prend l'autre kill, Pacha toujours avec son scout. Ils ont investi le BP, mais la bombe est par terre, et du coup, ça va être attention compliqué. Attention à Cillion, hein. Super ah, nice, Cillion qui prend le.
va être en... Ah, Freeze qui va être en 1 contre 2, mais à la WAP. Freeze à la VP, Freeze à la VP, Freeze à la bombe. Ah, il va se faire rusher et voilà, il tombe à travers la caisse, voilà, donc ça va être diffuse. On a perdu 3 armes côté VP, mais ça passe, donc quand même... Alors, effectivement, le Kevlar est obligatoire, mais là où il est beaucoup moins obligatoire, c'est sur les échos, par exemple. Hein. Le Kevlar, tu l'as pas tout le temps, donc bah, mettons sur une écho, toi t'es en force buy au scout, bah, il se peut que, malgré que t'aies une arme un peu moins solide que tes potes, bah, qu'avec un scout, tu retournes un round, alors que bah, tes adversaires avaient réussi à faire tomber 3, voire 4 de tes armes adverses, toi t'as un scout, t'OS tout le monde. Faut faire gaffe, hein, le scout, je trouve ça un petit peu abusé quand même, c'est pas surcheaté, faut pas déconner non plus comme le Kevlar. Non, là, c'est ce fait que tu... Mais... se tirer aussi précisément en sautant. Voilà. Je pense que le fait que ça OS en Kevlar, c'est pas gênant. Par contre, le fait de pouvoir tirer en sautant, je trouve que ça apporte un truc beaucoup trop pété. Quoi. Enfin, tu peux jouer toute une game en round d'armée, ça gêne pas. Quoi. C'est vraiment très très fort. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est en économie au Tech 9, bien évidemment. Côté CW, ça enchaîne. Côté pas champion. Tash qui va prendre le double. Non, un kill et Néo qui va prendre le double kill. Et c'est Néo qui prend le double et Tash qui va en prendre qu'un seul. C'était relativement propre sur cet écho. On a perdu que la WAP qui a été récupérée de toute façon. Au niveau économie, on est bien, donc à part. Partaz. Ça se passe très très bien. Et du coup on va partir sur un round d'armée côté CPH avec une AWAP sur Freeze bien sûr. Et voilà, on est en train de se répartir sur la map bien sûr. Taz qui va s'avancer au niveau de ce. Oh, putain Taz. Il peut faire mal, hein. Ils sont deux, il peut faire tomber les deux, il est bien placé. Stuff en main, stuff en main. Il fait tomber les deux, il est en train de viser à la WAP. Et du coup bah on part en 5-3, ça va être compliqué hein, pour les CPH à 5-3 sur Mirage. C'est dur hein. Ça va essayer de se... SMF qui essaie de prendre une info sur B et qui va rejoindre ses coéquipiers, surtout au niveau de la bombe. Et du coup, on va rester sur mid. Et toujours les setup 3 sur A, 2 sur B pour les VP, ça fonctionne. Autant continuer. Exactement, là, ils sont plus safe, hein. Ils ont quand même un avantage de plus 2, il n'y a pas de raison de se donner. Voilà, Néo qui prend une balle en formation, il se donne pas plus que ça. Il y retourne avec du stuff, il va jouer safe, c'est Taz qui va venir l'épauler. Ah, donc Taz qui va tomber, il était à 8 HP, Non, c'était pas ça. Pas ça qui a 8 HP, mais qui a une AWAP, donc il peut faire mal. Non, il va tomber. Sur une balle de SMF et du coup on est en 3 contre 2, c'est faisable le CPH, c'est pas encore perdu. Non là ça va faire très mal et voilà les VP qui vont finir se rendre. Deux armes tombées mais on a gardé la WAP, c'est double WAP. Quoi partir sur un setup double WAP c'est rare sur. Enfin c'est. Sur Mirage c'est chaud double WAP. Un mid et un A c'est ça? Ça me paraît un peu. Non, le double AWAP sur Mirage c'est quelque chose de relativement classique, surtout côté VP, on sait que Snax et Pacha adorent ce setup. Ils vont donc le jouer de façon classique avec un AWAP probablement en B en la personne de Snax, voilà c'est ce qu'il va faire, il va la jouer appartement. Pacha toujours dans son mid qui est tout simplement décisif pour l'instant avec déjà un entry kill sur MSL. Derrière c'est Néo qui va prendre le tour. Du coup on est en 2 contre 5, aïe aïe. Aïe pour les CPH. Ça fait deux rounds d'affilée qui commencent très très mal. C'est vrai qu'ils étaient armés et là ça fait quand même mal. Toujours pas d'armes tombées côté VP et si on pouvait assurer une perfect ça serait très bien même s'ils sont tranquilles au niveau des sous. Ça permettrait de les assurer s'ils commencent à perdre un petit peu. Donc on a Asilion qui traîne sur... qui avance vers B, on sait pas trop comment il va faire. Il sait que la bombe est vachement entourée du coup ça va être compliqué. Est-ce qu'il pourrait pas se save ou... Non il va le jouer. Ça qui va peut-être prendre le kill. Oui, il va prendre le kill à la WAP du coup. Imperfect du côté des VP. Ouais, bah ça l'aimait pas bien les CW Perfect. C'est que là, ça devient compliqué. Ils ont pas fait tomber une seule arme composée. Enfin, c'est la grosse dèche. Ça va investir dans du Tech 9 et non du stuff. Bon, mais c'est normal, hein, l'écho, le Tech 9. Du coup, on tire, ça peut passer. Oui, on a vu des bonnes grosses échos passer au Tech 9. Et là, voilà. Là, ça fait la bonne grosse écho de base. On court en B. Juste voilà. Jusqu'à arriver au niveau de cette hauteur, ils vont faire une navire, hein, tout simplement. Dès qu'ils vont se faire repérer, ils vont courir. Et s'ils ont le temps, ils vont tout simplement déclencher calmement avec leur stuff. Sinon, ils vont courir sur Néo. Néo qui s'avance. Néo qui s'avance un peu. C'est malin, il peut leur faire mal, non, il va s'exposer et il va faire 1, 2 kills, 3 kills, c'est déjà énorme. Et du coup ça va être compliqué de côté des CPH, ça va tomber Snax qui a pris un bon kill, du coup il est tout seul. Et je pense qu'il va tomber, voilà il est tombé. Bon c'était une écho, les échos c'est faisable. Au Tech 9 ça peut faire mal, mais ça peut faire mal. Ah bah le Tech 9, les échos, hein. Enfin moi je regarde LDLC jouer, je vois des Tech 9 en écho, c'est un round d'armée dans ma tête. Hein, c'est ça, mais on vraiment, a des VP hein. Solides en face donc ça passe pas. Shox, Tech 9, deux têtes par roue. Ouais. C'est le Tech 9, c'est complètement pété. Certains seront pas d'accord avec moi, mais je trouve cette arme vraiment random. Faut la virer. C'est vrai que c'est un peu. Mais pas la laisser comme ça, en tout cas, parce que c'est exagéré. Du coup, on va tenter une CPL sur A.
Non, on a un joueur mythique. Bah ouais, comme à tous les rounds d'armée, hein, c'est la question. Oui, bah là, après, ils peuvent peut-être la faire. Sans mirage. Oui. Attention, attention, là, on a un positionnement extrêmement agressif de Taz derrière Sasmo qui va prendre un énorme double kill. Ça, c'était super malin de s'accroupir à cet endroit-là. À la sortie du pit, il va prendre le triplé. Taz qui est sur un nuage, hein, décidément, ce soir. À 5 HP, mais il a pris le triplé et du coup, il va même prendre le quadruplé. Bon, bah, Taz qui a complètement fucked cette CP à lui tout seul. C'est pas chacun qui va venir conclure histoire de participer un petit peu. Et on part sur un 8-1. Bah, comme prévu, les VP qui sont extrêmement solides sur Mirage, qui reste quand même une de leurs maps fortes avec cash. Y a pas à dire, hein. Ils sont vraiment très très chauds dessus. On va faire un petit point scoreboard. On est en 11-3 pour Neo, 13-4 pour Pacha, Snax 7-1, Taz 8-5, 6-2 pour Bialy. Alors qu'en face, au maximum, on est en 6-9 côté SMF, Asilion 4-9, 2-9, 2-9 pour Freeze et Yunden et 1-9 seulement pour MSL. Un gros 1-9 qui fait. Gros 9 par le sel, c'est un peu la galère, c'est le ramage total côté des CPH. Ah, la Taz qui va prendre un kill avant de tomber, du coup, bah... Alors, comment vont-ils jouer ce round? Ça ils vont jouer à deux cornes, mais ça c'est plutôt malin. Ils vont stuffer, ils vont se rendre compte, voilà, ils ont poké sur Neo, ils le savent, hein, qu'ils lui ont mis un HS. Ils sont, je crois que c'est Freeze qui lui a mis le poke au Tech 9, donc l'info est donnée qu'il y a du LHP dans cette corniche, le relais était très bien fait, puisque maintenant c'est Snax qui lui est full life, qui est derrière cette smoke, et ça pourrait faire clairement les affaires des VP, mais attention, parce qu'on a un Pacha 11 HP, un Neo à 3 HP seulement, ça tombe, la très bonne HE de Yunden, on est en 2v3, ça va être compliqué pour les VP ce round, peut-être une occasion d'aller en sécuriser un second côté CW. Surtout qu'on a un Neo à 3 HP, ça va être compliqué, il y a Snax qui peut faire le boulot, mais il... Ça va se rabattre, hein, ça va se rabattre doucement du côté des CPH, ça va partir vers un... Ah mais attention, derrière, on a un gros VP, on a Neo qui fait tomber la bombe, et il est à 3 HP, ça va être... Attention, Anden qui se doute qu'il est là, mais qui va commencer à avancer, et la bombe qui avance vers A. Aïe, 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 il va se faire entourer. Il est sandwich. Il est complètement il est sandwich, ça va être compliqué. Et en plus, on est malin côté Snax, on évite les stuffs, on est en train de se repositionner, on a compris que c'était pas CBP, la bombe qui vient d'être fake plant, et c'est Yunden qui va mettre le HS, Neo avec ses 3 HP, qui va devoir aller chercher son HS. Pourquoi est-ce qu'il prend son P2? Ok, très bien. Ah, il faut qu'il aille chercher le pistolet. Oh, le time. Aïe, nickel. Il était niveau du bâtiment, et du coup, il va prendre le kill. Undead qui regardait vers le connecteur, du coup il va diffuser la bombe tranquillement avec ses 3 HP. Et Neo, 3 HP, 2 kills super importants, 2 kills dans le dos. C'est là qu'on voit l'expérience, hein, de ce joueur, Neo, qui est toujours dans les timings absolument infâmes, un petit peu à l'image de Snax, hein, qui aime bien arriver dans le dos comme ça, un petit peu en mode pupute. Et ça fait clairement le taf. 9-1, on avait une belle opportunité côté CW sur ce 3v2, ça n'a malheureusement pas été sécurisé. Évidemment, ils sont en cycle loser, du coup ils peuvent acheter à tous les rounds. Mais par contre, la WAP, prochain round, s'ils le perdent, il faudra qu'ils s'en passent. Ouais, il va falloir faire ça, ils auraient pu prendre le 8-2, c'est vrai qu'ils étaient bien partis, mais là, Neo qui a fait le boulot en passant par derrière, du coup, bah ça a sécurisé le 9-1 côté Virtus. Bon, on se met vraiment très 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 bien sur cette première map. Oh bah là, pour moi, elle est déjà limite gagnée, quoi. Enfin, si les CW enchaînent pas maintenant 3 rounds, ils vont vraiment pas être bien. Bon, pour l'instant, on a un avantage numérique, Pacha qui vient enfin de tomber. Derrière, il va falloir le Pacha qui fait pas beaucoup. Ah là, il va falloir commencer à mettre des rounds côté CPH, parce qu'après, il faudra mettre le gun run absolument, si on veut, ou ne serait-ce que rivaliser contre le VP sur ce site CT. Voilà, attention, deuxième kill de Freeze. Freeze, je vous l'ai dit, hein, quand il a la VP en main, c'est pas le même homme. Il est déjà à 2 frags sur ce round. On est en 5v3. Ça va rediriger sur le BPB, mais attention à Snax. Snax, la fouinette de ses Virtus Pro, qui est positionné tel un pot de fleurs derrière son petit camion. Il attend juste que ça passe, tout simplement, sur ce BP. Et c'est ce qui est en train de se passer. Snax, il y a peu de chances qu'il s'en sorte pas avec 2 kills dans la poche. Hein. Ah, attention quand même. Attention, il tombe. Qu'il passait par derrière, enfin... Par le mid qui est tombé aussi, et du coup on est en 4 contre 1, ça devrait passer côté CPH largement, à moins d'un exploit du côté de Bialy, mais... C'est vrai que t'as un micro salle de bain là en fait. T'es au bain, comment ça se passe? Non, pas du tout, non, je casse rarement dans le bain en fait. Tu devrais, hein, c'est cool, mais c'est vrai que ça résonne un peu. Je vais juste régler ça. Vas-y, au pire, prends le time de régler. Moi, je vais caster tout seul pendant 2-3 minutes. Au pire des cas, ça n'est pas grave. Qu'est-ce que quoi? Il habite dans une église, complètement. Il habite dans une église. C'est un curé, en fait. Hein, c'est un moine. C'est pas parce que t'es nouveau que tu peux commenter du trône. Celui-là, je valide. Celui-là, il est très drôle. Bah, je suis découvert, voilà. Je suis déçu.
Allez, quoi qu'il en soit, encore une fois, un avantage numérique sécurisé, cette fois-ci par SMF, sur Pasha. Pasha, ça fait deux rounds d'affilée qu'ils se donnent en first blood un petit peu bêtement, là. Je pense qu'ils sont un peu trop chauds, peut-être falloir qu'ils se calment un peu, là, le joueur polonais. Derrière Cetaz, encore une fois, qui va tomber, Frisk qui est en train de se réveiller assez violemment, et voilà, ils sont en train de se réveiller, les CW. C'était maintenant ou jamais, sinon c'était juste la map qui était perdue. Ils vont enchaîner un nouveau round, ils enchaînent le round le plus important, parce que s'ils perdaient celui-là, ils étaient en écho, puisqu'ils venaient de péter leur cycle monnaie. On est maintenant en 3v5, mais attention, un Néo qui arrive dans le dos, Bialik ne prendra qu'un seul kill cette prise de BP. Ça va être revenge par SMF. On est en 4v1. Néo dans le dos. Est-ce qu'il va réussir à faire l'exploit? J'y crois pas trop. Pour l'instant, il a un très très bon timing. Le double kill est sécurisé. C'est gratos. Ça va être compliqué de finir tous les CPH là. Surtout qu'on a un Sigan bien placé qui pourrait faire mal. Qui va, je pense, faire mal. Et ça sera pas sur B. Hein, du côté de MSL. Du coup, bah, c'est super mal. Hein. Ils assurent leur roue. Ils là, assurent leur roue. Et voilà, il tombe, logiquement il tombe, puis c'est le grand assuré côté CPH. Ah, il y avait besoin de ça. Hein. 9-3, attention, ça va acheter là côté TVP, mais s'il perd ce round, il va être à walpé derrière. Hein, donc, quoi faire qu'il fasse gaffe maintenant, qu'il se remette à marquer des rounds tout simplement, que Pasha arrête de se donner bêtement début de round dans ce middle. Peut-être falloir qu'il soit un petit peu plus safe, moins agressif, moins incisif peut-être, parce que j'ai l'impression qu'il voilà, se donne beaucoup trop. J'ai entendu un plouf. N'importe quoi. Allez, du coup, on est encore une fois évidemment en round d'armée de part et d'autre. On avait un très très gros cycle éco côté VP. C'est peut-être ce qui va leur permettre de sécuriser un nouveau round. Et cette fois-ci, c'est Néo qui va se donner. L'open kill de Free. Et il se donne à pas grand chose quand même. Sans Néo, et du coup, on a. Ouais, d'un côté, il a Nawa. Il peut toujours faire un beau kill. Et t'as Asien qui va faire demi-tour, qui était placé dans speed pour prendre l'info, qui va faire demi-tour. Ça. Comment ils vont jouer ça? Ils vont partir en CPLA, tout simplement, en 3-2. On a un joueur qui est dans le P2C Freeze. Il est implanté, il est en position. Ouais, juste que ça arrive dans la window pour prendre la coupe. Tu regarderas bien sur ta minimap également. On a MSL qui est dans le connector. Pendant que ces mates vont tout simplement tenter de déclencher dans le pit et dans le palace, on va encercler ce BPA. Mais les VP sont déjà très bien positionnés. Ah, Taz qui était bien avancé, mais qui va être. 4 kills par Endel après avoir pris un bon kill sur Freeze, et du coup on est en 4 contre 2, j'allais dire 4 contre 2, non, 3 contre 2. Oh, ce spray infâme de Snax, c'est Vianney qui va complètement se trouer, et on est encore une fois en 1v3, c'est le 4ème round pour CW qui visiblement décide de sortir l'écran. Est-ce que c'est pas un peu tard, c'est la question, mais en tout cas pour l'instant ouais, ça se passe bien. Voilà, Snax qui tombe, donc on a assuré le rang côté CPH, on a perdu 2 armes, mais bon, là ça va être. On a toujours la web sur Freeze, c'est principal. Et du coup, bah là, ça va être compliqué, hein, parce que les VP qui vont prendre Neko. C'est l'écho annoncé. Ça, c'est vrai, c'est quoi comme micro? Alors, j'en sais rien du tout, alors pour vous dire, j'en sais rien du tout. Tu ne sais pas ce que c'est comme micro? Est-ce que ça serait pas un micro 5€ made in Leclerc, ça? Ou Carrefour Market? C'est un micro russe, je vais pas le dire, mais. Ou Echo, je ne sais pas. Un CAD, si. Un CAD? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, j'en sais rien du tout. D'accord, très bien, tu feras le plaisir de changer, par contre, c'est vraiment un chien. Bizarre, d'habitude, il n'y a pas de soucis. Non, mais je pense que c'est juste un problème de réglage. Allez, quoi qu'il en soit, pour l'instant, on a encore pris l'avantage numérique, toujours sur MSL, cette fois-ci, c'est encore Pasha qui s'est donné. Pasha qui va retomber. Pasha qui est passé de 14-5, je crois, à 14-9. Hein. Bah, 4 rounds que CW a mis, 4 rounds Pasha entry kill. Du coup, ça va passer sur B, tranquillement. On a Snax tout seul, le Deagle, et qui va être rejoint. Est-ce qu'il va être rejoint? Je sens chercher Test qui est dans la window. Et ouais, il va être rejoint aussi par Néo qui va récupérer une AWP. Il va essayer de prendre un kill et voilà, on a investi ce BPB. La bonne nouvelle, c'est que c'est Néo. Snax au Deagle pour l'instant qui est bien solide sur son BP. Mais voilà, il y a une Den qui va le calmer un petit peu. On est en 3v3, on a un Nova avec une AWP. Et un Nova. Néo qui est pas bien avec son AWP là. Il est pas bien du tout. Hein. Il va être smoke en plus, ouais, il est complètement deny. Je pense qu'il va, ouais, il va repartir pour aller les coups. Ça tombe côté. Ouais, là, ça tombe, il reste plus que Néo et c'est compliqué là pour Néo de récupérer le round. Il va aller écho, tout simplement. Oui, tout simplement, il va aller safe. Apparemment, ton micro a l'air d'aller mieux, j'ai l'impression. Je n'ai absolument rien changé, c'est ça qui est complètement bizarre. D'accord, c'est effectivement très chelou. Néo, ah, le kill que le passé de l'année. C'est complètement donné. La bonne flash, il va tenter de l'éviter. Voilà, c'est un tir gratos petit... sur Acidion. Il faut qu'il arrive à s'échapper, Néo. C'est bon, il pourra drop à Pasha ou à Snack d'ailleurs. Il prend le petit kill sur SMF sur la fin. Et du coup, il va pouvoir save son AWP qui va drop à ouais, Pasha, je pense. Ouais, visiblement, ça se dirige vers Pasha.
Allez, dernier round de ce premier side sur ce BO3 de SLTV entre les VP et les CW. Pour l'instant, avantage VP, mais les CW qui sont en train de faire une très belle remontée. On le rappelle, il y avait 9-1 et là, il y a eu Freeze. Freeze et SMF qui sont complètement vénères. MSL qui est passé de 1-9 à 5-12, bon, qui est toujours pas sur un score mirobolant, mais qui s'est clairement énervé aussi sur les derniers rounds. Et la Taz. Oh, le double kill de Taz. Qui, ouais, et qui va tomber. Mais du coup, Snack s'en prend un troisième. Du coup, on est déjà en 1 contre 4 côté CPH. Avec compliqué. Et Snack qui pousse, hein. Et, oh. Ouais, un N qui prend le kit sur Stack, qui poussait comme tu l'as dit, du coup il va s'avancer du côté de cet appartement et il va tomber. Le 10-5 là côté VP, c'est très bien. C'est chelou cette façon qu'elle a de se regarder. Je t'interdis de faire ce genre de référence ici. Je t'interdis formellement de dire ça ici. Tu n'as pas le droit. Certes, c'est un bon troll, mais tu n'as pas le droit. Allez, quoi qu'il en soit, 10-5, les VP étaient tout près du 9-6 quand même. Là, la sanction aurait pu être bien plus grave que ça sur cette belle remontée des CW. On a eu une grosse extinction là, côté Pacha qui s'est juste endormi là pendant 5 rounds sur la fin. Un Snacks bon également. Du côté Néo. Alors que Néo, lui, ouais, clairement. Bon, après, il a été dans les très très bons timings, mais en tout cas, il a fait une très très belle première partie de map. On va maintenant changer de side. Les VP qui vont passer en attaque les CW en défense, il faut mettre ce pistol côté CW, c'est impératif. Là, ça va être obligatoire s'ils veulent ne serait-ce que rivaliser sur les VP sur ce side. Même en mettant en gunround, ça risque d'être compliqué. Hein. Vu le jeu que nous donnent les VP. J'ai remarqué sur ça, les casters regardent beaucoup le chat. C'est vrai qu'on le fait souvent. Bon, perso, je suis facilité parce que j'ai un deuxième écran, donc avec le chat tout le temps à côté, comme vous êtes marrant, et ben c'est plutôt cool de vous lire. Sauf certains trolls. C'est marrant, ça. Mais c'est plutôt ça, cool, je trouve ça stylé en fait. Je vois pas trop d'intérêt à streamer les trucs ou quoi, s'il n'y a pas d'interaction, j'ai envie de dire, avec les gens, je trouve ça assez chiant. Ça reviendrait un petit peu à parler tout seul ou juste à faire un truc par exemple avec Benji, mais bon voilà, on se parle, mais c'est cool qu'on pourrait faire pareil en dehors d'un live. Du coup, bah c'est pas intéressant en fait s'il y a pas de gens avec nous. Du coup, bah je trouve que c'est juste la moindre des choses de. Du coup, c'est un avec... à côté BP, et du coup, c'est Asylum qui prend le premier kill et qui va être lui-même directement. Parce ça qui va prendre un autre kill, encore une tête sur Freeze, et ben c'est du 4 contre 3, et on est assez loin côté Copenhague Wolf, on est à 9 sur un 9, et oh là là, le double kill, les têtes qui tombent les unes après les autres, du coup, voilà, les VP qui prennent large second round. Taz qui a pris le plus gros MS du jeu, je crois, hein. Il s'est pris n'importe quoi, et il demande pourquoi moi, en mode Calimero, tu sais, c'est le seul qui meurt, il y a quelqu'un qui court au même endroit, il prend une tête, tout seul, genre tu ne joues pas. Quoi qu'il en soit, ça, c'est pour l'été. Effectivement. CPH. Alors attention parce que le force bite était passé côté CW, il faut côté VP pardon, il faut le mettre là maintenant côté CW, il faut tout simplement rendre l'appareil, il faut se manger. On a un CZ qui peut faire super mal côté des SMF, mais du coup le SSG qui va tomber sur un signal. Et on va investir ce VPB tranquillement, ça va tomber côté Anden. Hop, pareil pour Freeze, bah du coup on est tranquillou sur ce VPB. Et attention, on a quand même Neo qui prend. On a Bassa et Neo qui prennent la coupe et qui peuvent faire tomber les deux derniers joueurs. Neo qui est passé pas loin d'un kill là. Bah, il est pas passé loin d'un kill, mais quelque chose me dit qu'il aura une autre occasion d'aller en récupérer un. Bah, il est en train de se faire friter un petit peu par MSL. Par contre, il a 95. Attention à Taz qui va arriver, et voilà. MSL qui va tomber tranquillement sur le kill de Taz, et on va aller chasser ce dernier joueur. Ah, il va être encerclé, ça. Logiquement, il va tomber logiquement, il était encerclé par 4 joueurs, ça a été très compliqué pour lui, donc. Ça passe tranquille encore côté VP et on compare en écho côté CPH, donc le 13-5 qui est assuré. Ouais, normalement on a le 13-5, on est plus serein là maintenant côté polonais. On est quand même sur une phase ascendante hein, sur cette game, ils sont en train de largement la dominer. Bien qu'il y ait eu la belle remontée CW, mais ce pistol round va vraiment mettre bien les Virtus Pro. Ils sont en train de concrétiser leur pistol, y'a rien à dire, ça va commencer à être un peu plus compliqué au prochain round normalement. Là pour le coup, effectivement, celui-là il est quasiment gratos. Celui-là est gratuit, il va falloir que ça passe hein, côté CPH sur le prochain round d'armée, sinon la map va commencer à vraiment partir pour les VP. Et le premier kill du côté SMF sur Passa. Encore Passa qui tombe encore en premier. Il enchaîne aujourd'hui. Hein.
Bah, Pacha, c'est souvent ça. Disons que c'est un petit peu le playmaker dans les 35 premières secondes en terreau des VP. C'est un peu le mec qui va tenter d'aller ouvrir les spots. En tout cas, c'est celui qui va le faire, qui va le tenter en tout cas le plus rapidement. C'est pas le seul qui a le profil d'ouvreur chez les VP, mais c'est celui qui va être le plus bourrin en fait dans son agression. Bah, Pacha Bicep, ça voilà, il y va avec ses gros bras, il met des parpaings. Ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis, ça passe derrière. Et c'est pas mal pour le CPH là, ils étaient en 4 contre 3 à Viali qui était à 8 HP, mais du coup. Ils sont fait retourner on a cerveau, Sidon qui va tomber par le CZ, qui fait toujours très mal, Freeze qui va tomber derrière, et là c'est bon, c'est assuré. Logiquement, parler et du coup, il y a une très très bonne peur, question là qui a popé dans le chat, un énorme troll aussi. Witty, je ne le vois plus. Bah, il est où? Je le vois plus. J'ai perdu le monsieur qui a... Ah voilà, c'est Chacola. Pardon, je suis complètement bigleux en fait. Qui demande où sont les mecs qui dédossent les VP, c'est maintenant. C'est ça. Ils sont où? Bah alors les gars, vous me dénonce? Qu'est-ce qui se passe? Toute une map sans jamais. J'avoue que c'était la grosse galère. Hein, Eric, c'est quoi ton micro à toi? Moi, c'est un Siberia Elite. Ouais, c'est ça, c'est un Siberia Elite. Alors, réglé comme un cul, mais c'est un Siberia Elite. Eh, maintenant, on est sur le premier round d'armée côté CW. Il faut impérativement le concrétiser. Il va falloir que Freeze fasse le taf avec son AVP, qu'il ne se fasse pas surprendre par Pacha en entry. Ils vont impérativement avoir besoin de ce sniper, les CW. Pour l'instant, il est toujours en vie. C'est du 5v5. Et j'ai l'impression qu'on se décide de faire une fake prise corn. On a la smoke qui va popper dans la window. Très très bonne smoke. On va décider simplement de fake le mid et savoir diriger sur le BPA. Sur le BPA, tranquillement. On a un joueur connecteur et un joueur mid. Là, on est deux sur le BPB. On peut investir facilement du côté des VP. Non, mais on a SMF qui vient de prendre de bons gros kills, de bons gros headshots sur Bialy. Et du coup, là, on a deux joueurs connecteurs. Un qui tombe. Neo qui va prendre un bon kill sur MSL. Attention, ça pas chacun arrive côté en détail. Dans la pente. Ça fait tellement le café côté Néo là qui est juste inarrêtable, mais là maintenant on est dans ça va être compliqué côté Pacha. Et ouais, bah là Pacha, à mon avis, l'exploit me semble seul, bien peu. Ouais, il va tomber, ouais, même pas le temps de poser la bombe. Et du coup, on a un round sécurisé du côté de SPH, mais bon. Je ne sais pas imaginer comment on règle un micro comme un cul. Je donne des cours pour ça si tu veux dans ton cul. Ah bah dans ton cul. Exactement. Le mec qui a fait ce commentaire est juste parfait quoi, ça tombait tellement sous le sens. Moi j'applaudis. Comme Rico. Solide. Allez, nouveau round d'armée à suivre évidemment. Les VP c'était mis sur un cycle monnaie plutôt solide puisqu'ils avaient posé des bombes, ils avaient mis 3-0, bien s'avancer sur B. On va pas refaire des cours d'économie, quoi qu'il en soit. Pour l'instant, on a des AK, beaucoup de stuff. Je suis étonné que les VP aient pas tenté une grosse CPL. Bon, remarque, il est encore temps, hein, mais je pense que c'est le moment là. C'est clairement le bon moment. Regarde le setup. S'ils font une CPL maintenant, je sais pas si Red, tu peux montrer avec la minimap, avec contrôle et des petits dessins bien dégueulasses sur la souris. Mais quand on voit la position d'MSL et Freeze dans le middle, on se dit qu'une smoke sur le DF et une smoke au niveau du jungle pourrait complètement retourner ce round, surtout qu'SMF est au spawn CT. Si la CPL A est bien exécutée, MSL et SMF ne pourront même pas contester le BP. Ah, ils vont être bloqués et du coup, ça va passer. Si c'est bien ce fait, ça va passer tranquillement du côté des VP. Ça commence à stuff tranquille, ça passe. MSL. On a MSL et SMF qui sont complètement deny et du coup ça va s'organiser tranquillement sur le BP. On commence à prendre des dégâts côté SMF, on va tomber. On va tomber et du coup on a pu poser la bombe et on va être bien pour défendre sur BP. Peut-être Théo. Bialy qui est bien placé, voilà, qui va faire tomber un joueur. Attention Bialy, non c'est bon. Neo qui va prendre un monkey et du coup là ça va être compliqué. Ah, on arrive à faire tomber quelques armes. Ah, belle chance. Ouais, ça se donne pas, du coup ça reprend tranquillement le BP, on peut faire quelque chose hein, du côté des FPH, 2 contre 2 avec un AWAP. Un Den qui va prendre le bon gros headshot et du coup là ça va être compliqué du côté de... Pacha, il est dans la bombe. Oh, et Freeze, le travers. Oh, Freeze qui va prendre le bon kill pour... La bombe qui ah, et la bombe qui va quand même... à une seule petite seconde. Ouais, c'était vraiment juste. Hein. C'est... Ils ont eu... C'est bien parti côté VP, ça s'est bien rabattu côté CPH. Ils ont beaucoup donné. Ils ont beaucoup donné à la fin des smokes, je pense, les VP. Ils ont eu peur de la reprise de VP, hein, tout simplement. Dès que les smokes... En fait, au début de la CPL, on avait quand même 3 CT qui ne pouvaient absolument pas contester le BP. Donc là, jusque-là, tout était normal. Comme prévu, bah, on avait 3 CT qui ne servent à rien. La bombe a été posée. On a pris les deux premiers kills derrière les smokes des pop. Et c'est là que les VP ont paniqué un petit peu, je dirais. Ils ont vraiment voulu piquer ces entry kills derrière ces smokes, ils ne sont pas arrivés. Et là, on s'est retrouvé en 2v très bien géré par Freeze et par... j'ai oublié qui c'est.
c'était. Mais quoi qu'il en soit, Freeze qui continue son petit carnage avec un bon double kill. Derrière ça, Sylvian qui va prendre le sien également. MSL prend le premier, le quatrième. Et Stash qui va prendre le double kill et qui va tomber à côté Freeze, qui va faire un bon triple kill. Et du coup, le force d'œil qui va pas passer du côté des VP, du coup, on va être en écho. Allez, 13-8. 13-8, on est en train de revenir tout doucement à côté de ces doubles. On fait une double écho pour les VP, c'est normal, on a pas vraiment de thunes. On est évidemment joué sur la web de Pacha, donc on va pas faire commencer en tout cas à faire des rounds AK tout le temps. Donc le B qui va être lancé par les VP, hein, c'est une écho. En tout cas, ça me fait plaisir parce que Freeze arrête de me faire mentir. Parce que tout à l'heure, je dis ouais, Freeze il est fort avec la WAP et tout, mais pour l'instant, il faisait rien. Ça fait 3-4 rounds qui commence un petit peu à montrer qu'il est un kilo au-dessus, je trouve. Freeze qui, je trouve vraiment très très fort, hein, avec le sniper. Il a pris un bon triple kill juste avant et il va être important pour le CW s'ils veulent remonter. Hop, ça déclenche en B, logiquement. Ça stuff quand même un petit peu, et du coup, on va avancer. Donc, on a deux CPH à la réception. On a un Ben qui est toujours pour dresser ici. On a un Sylvian aussi qui peut faire tomber quelques armes là. Enfin, pas quelques armes, pardon, qui va faire tomber des joueurs. Non, il va être aveuglé. Non, il va prendre le double kill et le trip. Oh, et un Ben qui fait un kill, et du coup, bah, il est tout seul et voilà, il va tomber. CPH qui vont prendre leur rang. Ça allait beaucoup trop vite, c'était violent. Salut à toi Bébest, ça va poulet. Bon, c'est pas tout, mais maintenant faut arrêter de déconner côté Virtus Pro. On est un peu dans la panique. Freeze qui est en train de faire le taf, Asilion aussi, SMF également. Il y a que MSL qui est encore un petit peu en deçà, mais je doute pas trop sur sa capacité à remonter, il va certainement y arriver. Par contre, à côté de ça, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, on a un Pacha qui est un petit peu en double teinte, enfin en demi-teinte. Il va faire un round sur deux assez solide et le deuxième il va être un peu caca. Bdali qui est vraiment dans le mal, Taz aussi. Pour l'instant, Neo, Snax et Pacha qui font clairement le café, mais il va falloir qu'ils soient 5 hein, s'ils veulent espérer les conclure. Ah, c'est l'homme qui va être bloqué par cette Molotov qui aurait pu faire quelque chose, et du coup, on va passer sur ce A. On a Freeze qui est vraiment, vraiment très doux. Ah, la web peut prendre un kill, mais ça va être compliqué d'en prendre plus. Ouais, voilà, il va tomber directement, et du coup, on a investi le BP. On est assez low côté BP quand même, mais. Ça va être compliqué des CPH, ils sont mal placés. Et surtout, on a un superbe Pacha qui va prendre le kill par derrière. Voilà. Donc, Laurent qui passe presque perfect, on a que Neo qui est tombé et donc on est en 4-9. Ça, c'était un raid. C'était propre, c'était rapide, il n'y a pas eu de soucis. Tout a été bien exécuté côté Virtus Pro, il n'y a rien à dire. 14-9, attention. Parce que ça, pour moi, c'est une balle de match. Il y a certes 14-9, ouais. Ils mettent ce round, ils sont à 15, ils ont le draw, et c'est de l'écho pour ces WDR. Enfin, de l'écho sera du force boy, bien évidemment. Mais Freeze qui va prendre le bon kill quand même en ouverture. MSL avancé qui va prendre aussi le kill sur Taz. Du coup, on part en 5 contre 3, et les CPH qui se passent bien sur ce round. Le problème vient de la beauté, voilà, c'est réglé. Donc on a SMF et... MSL sur ce BPA, et on a deux joueurs sur le BPB, un Den qui prend l'info, du coup les Snacks qui va faire tomber MSL, et du coup on va pouvoir... Non, Yali qui va tomber derrière. On est en 2 contre 4, ça va être compliqué, hein, côté des terreaux, on va essayer de passer par le mid, mais on a un bon Asilion, là, qui va peut-être prendre un kill sur Neo s'il continue à s'avancer. Ouais, il va prendre le kill. Ah non, il a un peu de mal. Il va s'avancer, et il fait tomber la bombe, et on a... Donc il va avoir un peu de mal, donc il va tomber directement sur par SMF, et du coup on est bien, on a pris le... Tu viens de faire un bruit super chelou. Je sais pas c'est à quoi qu'il entend dessus, mais... Moi j'ai entendu, tu parlais d'SMF et ça fait un comme ça, c'est très bizarre, je sais pas, je t'ai perdu. Alors soit c'est moi qui ai tapé une alu, mais... ou alors c'est ton micro, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Mais du coup le GP, faudrait peut-être planter le drone là quand même. Effectivement, il serait temps qu'ils se ressaisissent entre guillemets. Ils avaient une énorme occasion de conclure la game au round précédent. Vraiment, s'ils mettaient le round précédent, c'était gagné, ou en tout cas quasiment gagné. En tout cas, déjà au minimum, ils avaient le draw. DR, c'était en plus de l'écho côté Stone 2, c'était vraiment un round qui comptait double. Ils ont pas réussi à le secure. Oui, le bruit était assez dans la lignée de Brazzer. Voilà, c'était ça. C'était ça, Pibou. Allez, bah oui, forcément, on est en écho maintenant, hein, côté Virtus, donc ça va faire le 14-11. Et deux kills qui tombent. Déjà 3 kills du côté VP qui étaient en écho, et ils ont pris ce VPA tranquillement, ils ont récupéré des armes, et là, les CPH qui sont moins bien, d'un coup. Hein.
Ah bah oui, ils sont plus que moins bien, là, parce que le groupe est quasiment perdu, hein. Ça va être ultra chaud d'aller ah, récupérer double ça. Déjà. Ouais, mais y'a la Watt sur 5, c'est la M4 sur Néo maintenant. Tout n'est pas encore perdu, j'ai envie de dire. Ah, c'est ouais, super, c'est des points qui va passer à côté VP, et ça, ça c'est passe pas niveau écho et 15-10 le drop. Ils vont pouvoir racheter quasiment tous. On a 3 joueurs qui vont être armés, 2 qui vont être au pistol. Normalement. Peut-être un FAMAS à la rigueur sur MSL, donc ce sera un, ouais, ce sera un Max 7. Il va certainement la jouer au TRB. Ouais, ils ont encore une belle occasion côté VP là. Attention, Max 7 sur B, il peut faire très mal. Ah, ils sont très avancés quand même au niveau Sopit A. Au niveau des SMF et MSL, ils sont vachement avancés, mais la bombe qui. Voilà, on en prend l'info, on attend. C'est super malin ce qu'ils font les CW là au niveau de ce pit parce que ça va évidemment rediriger en CPL1, hein, comme je vous l'ai dit, oui. 80% des rounds. Donc là, ils peuvent prendre ils vont en prendre 2 ou 3, je pense. Hein. Là, vraiment, ils sont super bien placés. Les VP, c'est pas le style de mec à s'arrêter sur le pit. Enfin, vraiment, sur la zone de choc, en fait. Le pit, c'est la zone où ils vont sortir. C'est pas là qu'ils vont checker en premier. Hein. Bon, là, pour le coup, Bialy va regarder avant. Mais voilà, là, faut pas être prise. On va se prendre derrière. Il va prendre un petit coup de max 7. Donc, ça va un petit peu rebooter la CPL. Par contre, Taz, il déconne 0. Il va sortir. Il va se faire Taz, prendre un bon coup de max 7 qui fait mal. Et du coup, on sait pas là. Les VP, au niveau des VP, on galère un peu. Le bon kill pris par Passa. Et du coup. Bon, quand même déclenché par cette A, il y en a un qui fait le tour pas mid. Mais les CPH qui sont 3 sur ce là, qui laissent le B tout seul, qui vont pouvoir prendre la réception. Ils ont encore 30 secondes, je pense qu'ils vont attendre bien longtemps avant de sortir. On a un kill qui vient d'être fait dans la corniche. Si on attend encore 10 secondes côté VP, ça m'étonnerait pas que ça sème le 12 côté CW, qu'on ait un CT déjà qui parte au niveau de ce mid connector. On est en train d'arriver en slow, on attend. Voilà, les 10 secondes sont passées, on est en train de sortir. Ça déclenche, mais on a MSL à la réception et du coup, bah, il est tout seul contre. Non, ils sont deux, pardon. C'est une bêtise. Ah, ça tombe directement par Freeze. Du coup, il est tout seul sur ce BPA. La bombe qui est prise par les CPH, donc ça va être un round sécurisé pour les CPH. Tranquillement. Voilà, Freeze qui fait le bon kill. Freeze qui est chaud. Il est chaud aujourd'hui. Freeze très énervé, comme prévu. On a eu un bon triple kill, je crois, de la part de MSL, si je dis pas de bêtises. Donc c'était plutôt propre. Ils vont évidemment encore une fois racheter ces Virtus Pro. On aura quand même deux Galil, voire même un Tech 9 hein, sur Taz. Ouais, ça sera du Tech 9. Donc on a quand même deux joueurs qui sont pas ouf en termes d'équipement. Mais ça peut quand même largement faire le café. On a vu ce qu'ils pouvaient faire avec des P2. Or, Dieu sait ce qu'ils peuvent faire avec un Tech 9 et un Galil. Mais ils sont quand même pas even sur ce monde-là. S'ils le perdent, ils partiraient en écho. Et les CW seraient pas très très loin d'aller potentiellement chercher un overtime. Ça s'avance beaucoup hein, du côté des CW sur cet appart A. Ça s'avance beaucoup et du coup là la bombe qui est sur B, on va prendre un bon kill du côté SMF qui était vachement avancé, qui va reculer sur son BP tout simplement. On va pas prendre plus de kills. Unden qui va prendre un bon kill sur Pacha sur B et du coup là c'est un peu la galère au niveau des VP, on sait pas trop où aller, ça va passer par mid, ça va passer par B, mais Freeze qui va prendre le kill bien avancé et du coup la bombe qui est toute seule sur le mid. Et voilà. Donc, sécurisé tranquillement du côté de CPH, ils étaient bien avancés et du coup ils ont pu faire de très bons kills. Et là c'est compliqué du côté des VP. Hein. Je pense, sans déconner, qu'il faut qu'ils agressent ce VP beaucoup plus tôt. Là, ils vont faire une écho, ils vont aller stoner en B, je pense. Mais vraiment, pour moi, la solution, c'est la CPLA en début de round. Et regarde le setup des CW, ouais. Encore une fois. C'est maintenant qu'il faut faire la CPL, c'est dans le début de round, c'est super. Il faut agresser directement. C'est gagné. On a un joueur contact, un joueur qui joue RPK sur une CPL, c'est vraiment pas fou. Il y a vraiment qu'un kill à sécuriser de compliqué au niveau de ce Taz. Après, derrière, c'est gratuit quoi sur l'agression. Du moment que la CPL est bien faite, il faut vraiment qu'ils la fassent dans les 20 premières secondes du round, hein, qu'ils se positionnent dans la pente et qu'ils agressent tout de suite. Faut pas qu'ils s'emmerdent à faire des 3-2, tout ça. Il faut impérativement la jouer beaucoup plus rapidement, je pense. Bon, allez, je me barre, l'Eric, là, il est pourri, il sera bien meilleur, on va commencer sur Hitbox. Ben, j'ai à la chef Rico, le collègue CMTV qui va partir sur la game show avec First Frox, je crois, j'ai oublié son... Je ne sais plus, malheureusement, il va m'en vouloir. Et ça prend du temps, hein, ça prend son temps à côté VP. Alors qu'on est quand même contre Tech 9, c'est vrai que bonne grosse agression Tech 9, ça fait toujours de bien. Ben, ça va s'avancer à côté de ce pit. La bonne nouvelle job qui va bloquer. Deux petites secondes, bon c'est de l'écho, normalement les VP devraient pas le mettre, on y reviendra si jamais ça part en couille, mais j'y crois pas trop. On a Fakizmo qui nous dit c'est quoi une CPL. Une CPL c'est un nom tiré d'une LAN qui était Cyber Professional League je crois le nom.
C'était une énorme LAN sur Counter-Strike et sur d'autres jeux. Et ça a donné son nom à une stratégie qui est valable à toutes les maps. En gros, c'est une stratégie travaillée, timée, avec des stuff précis. Et en général, c'est un truc, tu la vois, tu vois les 5 terreaux au même endroit, on a fait stuff en main, qui lance leur stuff précisément à des endroits vraiment, vraiment calculés, sur des timings très précis, avec des rotations provoquées ou pas. On appelle ça une CPL, c'est vraiment une strat, travaillée. Ouais, alors bah, te départ le mythe. Et ben on a Viali qui tombe sur la Molotov et du coup on a les CPH qui sont un réception. Ils sont 3, parce qu'il est tout seul qui va pas faire grand chose. Il réussit à prendre une M4, il peut faire tomber 2-3 personnes. Non, il va tomber une bonne HE et du coup on a Pacha tout seul. Mais il a une arme, il peut quand même le faire, hein. Pacha qui est assez chaud quand même. Il peut quand même le faire. Normalement là il est pas bien du tout quand même Pachin, il a récupéré une AK mais c'est pas bien, mais il y a compliqué. Un tourne le dos, enfin qui tourne le dos, qui regarde pas. Salut Diana. De ce côté là, il peut prendre un bon kill. Il peut même prendre les deux hein, mais Il va prendre le bon kill sur un bomb bien sûr. Un bon gros troll là du côté Pachin. Oh putain c'est énorme. Oh c'est énorme. Oh là là, il peut faire tellement mal. Qui va prendre superbe troll qui va être le double kill mais gratuit. Oh mon dieu. Ce troll et du coup ils vont sécuriser cette map. Oh mon dieu, Pacha qui vient de nous faire une snack, c'était magnifique. Rendez-vous demain sur Achille TV, ça c'est en vidéo. Je vous le dis. Ouais, ça c'est sûr, ça va tomber en vidéo. Ça c'est inévitable. Mon dieu, ce round. Néo qui a 30 kills, qui a pris 30 kills sur cette map. Holy shit! Ah putain, c'est comme ça qu'on l'aime, Pacha. C'est ça! Ah, il m'a fait kiffer. Il m'a littéralement fait kiffer. J'avoue que c'était magnifique. Ça c'était des barres, moi j'y croyais pas du tout, j'étais en train de chanter et tout, et là boum. Moi aussi je pensais qu'il prenait le kill tranquille ce pour un round mais de derrière, la NASA, mon gars, magnifique. Ma foi. Et qu'il va pas prendre Undead, et ça a été très intelligent de sa part de pas prendre Undead en premier, puisqu'il a eu la visu sur son deuxième adversaire, je sais plus si c'était Asylion peut-être, et du coup il l'a fait tomber en premier Asylion son adversaire. Je propose une hola sur le chat, hein, pourtant, alors là, je oui, pense qu'il la mérite celle-là. Clairement, là il lui faut une hola pour ce move snacksesque, putain c'est trop compliqué à dire, de type snacks, voilà, parce que snacksesque c'est bien chaud à dire. Parce qu'il faut dire que Snax est un habitué hein, de ce genre de move. On se souvient d'une certaine DreamHack, je crois, où il avait fait exactement la même chose contre TNIP en finale. D'ailleurs, il avait gagné cette finale, les VP. Mais c'était sur Mirage aussi, hein, apparemment. Les VP sont bien des fouines hein, sur cette map. Ça leur réussit plutôt pas mal. Et du coup, on va partir sur Cobble. Effectivement, on va partir sur Cobble. Je pense qu'on va pas faire de pause parce qu'on est bien là. Qu'est-ce que t'en penses? On est PP. Enfin, prends-en une si tu veux, je t'oblige pas. Non, allez, pas de couteau. Pas de soucis, je suis très très bien. Mais on va profiter pour rester un petit peu avec nos amis viewers, n'est-ce pas? Pendant que ça attend, tout simplement. On va partir donc sur du Cobblestone. Il va falloir commencer C1 côté CW. Les VP sont ultra chauds sur Cobble. Donc il va falloir faire très très attention. Ils ont un énorme side CT, les Virtus. La dernière fois que j'ai vu jouer, je sais plus contre qui c'était, mais ils les avaient éclatés hein, sur Cobblestone. Ça s'est fini en 16-4, je crois. Ah ben non, c'était contre les ceux qui avaient gagné le chômage, enfin le chômage vaincu. C'était contre qui? Les Rekstars ou je sais pas quoi, les RVN, ouais, c'était ça. Les RVN, ouais, c'était, oui, bon, c'est normal. Max RTD en fait qui nous dit que Cobble, c'est VP à fond, bah ouais, mais c'est vrai qu'on a vu. C'est vrai que mes CPH sont pas si mauvais, mais je sais pas vu si mauvais que ça sur Cobble. Les VP sont chauds dessus, ils sont vraiment très chauds dessus. C'était parmi les premiers à la jouer avec Overpass, hein, c'est deux maps qu'ils ont joué très très tôt quand elles sont arrivées dans le map pool. Maintenant elle a été refaite, Cobble, c'est une énorme map CT, donc il se peut qu'en Terro ils se fassent rect. Maintenant ils ont quand même du jeu en Terro, c'est Virtus Pro. Et je ne sais pas si c'est le cas la CW en fait, la question elle est là en fait. Lyrix Godain live. Bisous IBS, on fait ça après si tu veux. On fait ça après. C'est dommage que t'arrives maintenant, Julien, parce que t'as raté un round assez rigolo. Profite donc pour régler ton micro comme un cul. Il va falloir plus qu'une pause pour faire ça. Ah ouais, il va vraiment falloir plus qu'une pause. Un peu plus bison aux iris 9. Oui, bah oui, je pense que tu vas trouver preneur. Chacola dans le chat. Il y a toujours preneur pour me skin. Le meilleur brain tout en sachant qu'il y avait 15-13. Peut-être pas la mouflette, c'est un super beau round, hein. Franchement il m'a fait hurler, mais pour moi quand même, dans le même genre, hein, c'est un VP qui a fait le
pour moi, le route le plus ouf de tous les temps, c'est Snax, hein, sur Mirage aussi. Je vous invite à aller checker sur YouTube, hein, vous tapez Snax, Mirage, finale versus Nip. Vous allez trouver le round, hein, ça dure une trentaine de secondes, mais juste l'action est exceptionnelle. Hein. C'est sur la deuxième map, je crois, du BO3, je crois, voire même la troisième, je sais plus, où les VP l'emportent contre la NIP sur un tournoi à 250 000 boules. C'était juste insane. Hein. Il prend 3 kills il fait exactement la même chose, mais en prenant 3 kills, quasiment au même endroit, mais de façon encore plus intelligente, je trouve. C'était juste magnifique. Hein. Mais c'est vrai que ce round-là était quand même assez ouf. Sur le chat, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, hein. Faites-vous plaisir. Je suis là depuis 15 minutes, j'ai vu le petit coup de Pacha. Ouais, je pense que c'était plutôt stylé, hein, ce move de Pacha, mon cher Ibé, c'était très drôle. Ça m'a donné envie de chanter d'ailleurs, c'est plutôt marrant. Ah, merci à toi d'être abonné, poulet. Bisous, bisous, poteau. Il y a combien pour Vitus Pro? Il y a eu 16-13, Anzu Amalari. Alors, excuse-moi si j'ai mal prononcé ton pseudo, mais il est assez compliqué. Là, du coup, on va partir sur Cobblestone. Ouais, donc, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions, les potos, hein, si vous en avez pendant cette pause. C'était les VP qu'on pique ce Mirage, et c'est les CPH qui piquent ce Cobblestone. Il faut marquer quoi pour le... Je vais te le dropper, Desilva95. Attends, je vais aller sur YouTube vite fait. Pas pour mon temps. Hop, 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 hop. Alors, je vais vous trouver ce fameux round. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû le voir. Hein. Si vous l'avez pas vu, sans déconner, faut y aller. Hein, parce que c'est juste un round de baiser mental. Hein. C'est Snax qui nous sort ça. C'est à voir. C'est vraiment à voir. Alors, attends. Où c'est qu'il est ce round à la con? Elle est où la Snax? Elle est là. Je vous la mets sur le chat dans 10 petites secondes. Le temps que je me coupe, parce que je suis sur l'iPad, du coup je pas drop. En tout cas, ça serait beaucoup plus long. Ah, je vous ai mis la YouTube, n'est-ce pas? Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit link que je vous ai balancé. Je pense que ouais, le clutch de Snax est plus rigolo, mais je préfère celui de Snax dans le sens où c'est pendant une finale à 250 000 balles, quoi. C'est genre le round, quoi. Le round. Est-ce que mon micro est un peu mieux, là? Je sais pas, faut voir sur la durée. J'ai l'impression qu'il est pire, personnellement, mais je suis convaincu. D'accord, nickel. Je pense qu'il est pire. C'est vraiment la galère, là, c'est... C'est la merde. Là, ça... Ouais, ton son en lui-même est pas mauvais, mais effectivement ça résonne. En fait. C'est super chelou. Je pense que tu dois avoir de l'atténuation de bruit activé ou un truc comme ça. J'ai essayé de toucher 2-3 boutons, ça peut que marcher. Hein. Celui qui dit abonné, alors est-ce que tu t'es abonné votre capsule? Je ne sais pas, parce que sur l'iPad j'ai l'impression que j'ai pas les notifications pardon de Twitch qui me dit un tel s'est abonné, un tel a été timeout ou un tel a été banni. J'ai pas l'impression que j'ai, du coup si tu t'es abonné, je ne le sais pas. Je ne le vois pas en tout cas, je sais pas si tu le vois avec toi. D'accord, ok, c'est... Du coup, Cobble, c'est la map des CPH, pas des VP. Oui, c'est la map qui a été pique CPH, mais les VP sont super forts dessus, c'est... Oui, ils sont très forts. Vous pouvez replay sur le brain de Pacha. On aimerait bien pouvoir faire des replays. D'ailleurs, je pense à chaque fois, à chaque fin de live, je me dis, faut que je dise arrête, faut qu'on trouve un truc pour faire des replays. J'oublie tout le temps. Ça tombe bien que tu poses la question. Après le live, du coup, Red, fais-moi penser à te faire penser qu'il faut qu'on voit pour faire des replays. On trouve un truc pour essayer de balancer des replays. Je sais pas s'il y a moyen de faire ça avec un deuxième PC ou un truc comme ça. Faudrait qu'on check. Je sais pas ce que t'en penses. Mais sur ce genre d'action, ça pourrait être carrément intéressant. Ça pourrait être plutôt cool. Abonne-toi à ta chaîne YouTube. Merci à toi, votre capsule. Alors, c'est pas ma chaîne YouTube. Hein.
Athlète d'ailleurs, parce que je crois que tu m'as abonné à eux. C'est la chaîne du clan Mystique, je n'ai pas de YouTube personnel. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. Les gars, vous pensez que je peux mettre 20€ sur HR vs Smooth, safe? Alors, je pense que c'est le match le moins safe de la soirée, celui-là. C'est probablement le pire, même. C'est vrai que c'est pas trop safe, comme match. Les Razer sont... Clairement. Smooth, pareil, ça va tirer. Je sais pas, est-ce que c'est un BO1 ou BO3? Pas du tout. Ah ouais, c'est pour ça, tu peux bet, je pense, mais pas 20 boulets. Hein. Tu mets 5 10 balles maxi. Quoi. Ouais, ouais. Sur un BO1, c'est quand même super couillu. Après, si tu aimes le challenge, rien ne t'empêche. Hein. TSM contre Flipside. En gros, 60-40 pour TSM, je pense. Hein. Ouais, TSM, je pense. Qu'ils sont pas les Flipside sont loin d'être mauvais, effectivement, mais. TSM reste quand même au-dessus en termes d'expérience, en termes de niveau, enfin de solidité, de régularité, d'homogénéité, mot de merde, je pense que c'est vraiment qu'ils sont plus homogène, ouais, c'est plus simple. Device qui est quand il est chaud bouillant, il fait très mal. C'est vrai. Côté de TSM. Et tous les joueurs qui sont là, on devrait pas tarder à lancer le couteau. C'est lancé. Moi j'ai mis 180 sur un BO1 déjà. Oui mais bébé, si tu es fou. Après ça dépend des BO1, c'est un 99-1, bon. Ah, tu peux battre sur un BO1. Mais sur ce genre de BO1 là, faut faire super gaffe. Dans le sens où l'upset est totalement jouable. C'est ça surtout. Les gars, vous avez oublié de mettre votre crosshair sur la page Facebook. Max RTD, si tu tapes point d'exclamation crosshair, tu as toute la CFG avec le crosshair notamment à l'intérieur. Si tu veux le récupérer, tu peux l'avoir sans aucune difficulté, poulet. Et re à toi, Opsis 60. Ah, rendez-moi le chat. Non, on n'est pas sur BD, on est sur Kebab. Effectivement, on est sur Kebab. On peut m'envoyer un lien pour le dernier round sur Mirage. Il va falloir attendre un petit peu l'inimitable 78 pour le dernier lien, enfin pour le dernier round. Mais il y a, franchement, je suis même sûr à 2000% que dans moins de 24 heures, tu vas sur HLTV, tu vas dans les vidéos et tu l'as le round. Hein. C'est sûr et certain. Voir cette nuit, ouais. Ouais, quand il y avait eu le bon. Il y avait eu le bon 1v4 de Kenny Yes sur Inferno qui avait fait très très mal. La rediff était sur YouTube très peu de temps. Après, si vous voulez pas vous emmerder, tous les rounds en général sont faits par. Enfin, tous les rounds comme ça, rigolos, importants ou vraiment ouf, de toutes les compétitions sont très souvent uploadés le soir même, voire dans la nuit. Alors, si je peux vous filer un petit conseil gratos, les gars, allez liker hltv.org sur Facebook. Et comme ça, pouf, elle pop dans votre fil d'actualité, les vidéos. C'est plutôt pratique. Perso, je les vois toutes comme ça. C'est que dès qu'il y a une action, même si je suis en train de caster un autre match, je sais que 2 heures après, je l'ai sur le fil d'actualité Facebook. C'est plutôt pratique. Et comme ça, vous pouvez pécho tous les rounds importants. Vous mettez vraiment tous les replays de votre stream sur votre chaîne YouTube? Oui, pas tous, mais 90% en gros. Disons qu'il y a des matchs qui sont déjà dans un sens pas spécialement intéressants. Il y a des matchs où ça va être une énorme autoroute, où il se passera rien, ou des matchs super serrés avec des millions de pauses dedans, des gros dédos, ce genre de trucs, où ceux-là on les met pas, puisque déjà d'un côté ils sont chiants à regarder, et puis parce qu'en plus quand c'est des matchs comme ça qui ont tendance à partir en couille, nous on part en couille avec le match. Donc du coup ça a plus trop rapport à Counter-Strike de temps en temps, c'est pour ça qu'il y a certains trucs qu'on met pas, mais sinon globalement il y a quasiment tout. Tu peux vraiment retrouver tous les lives. Tu le fais payer pour combien pour ton conseil? Mais c'est gratuit, voyons, Pied, oui. Évidemment que c'est gratuit. Visiblement, ouais. Ouais, apparemment.
Ah, pas bah, changé. 10 minutes, c'est pas grave. Classique. C'est du classique. Ouais, une dizaine de minutes. C'est pas cher, c'est gratuit, effectivement, l'hosted. On voit que ça, les vacances notification erreur, depuis un moment. Il y en a toujours eu en fait, hein. Je sais que moi j'en ai eu. Il y a une période où j'en avais une par semaine, c'était insupportable. J'ai eu des potes aussi qui ont eu leur période où une fois par jour ils se la prenaient, puis ça durait une semaine maxi, puis après pouf, ça disparaissait comme c'était venu. Ceci de mise à jour VAC, c'est ça? Je crois que c'est ça, en gros, c'est. Ouais, c'est le VAC qui se met à jour tout simplement et qui n'authentifie plus certains joueurs pour qui la mise à jour ne s'est pas faite correctement, en gros. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ouais, on peut simplifier ça comme ça. Jonas, comment ça va, poulet? Titan Static, il est pas sur Shield TV ou c'est moi? C'est possible qu'il y soit pas. Ou alors il va y ajouter après, une fois qu'il y a quelques matchs du fil d'actualité qui vont être passés, type les premiers matchs, là, ceux de 18h et compagnie. Peut-être que le fil d'actualité d'HLTV est juste blindé, parce que je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a juste énormément de matchs ce soir et cette nuit. Donc peut-être qu'il sera rajouté une fois qu'il y aura un peu plus de place dans leur. Je sais pas comment on appelle ça, mais dans leur zone pour le website, tout simplement. Enfin, ça, j'ai pas encore eu, du coup, je touche la peau du singe. Salaud. Ça va nickel, le match a pris beaucoup de retard. Non, il a pas pris énormément de retard, quelle heure il est là? Non, ça va, c'est raisonnable. Ça a commencé à 18h, il y a une map de jouer, il est 19h. Non, on était même en avance. Malgré que la map a été jouée bien jusqu'au bout, hein. On a fini sur un CS13, mon cher Nas. Donc non, pas spécialement de retard, c'est juste que ouais, il y a un petit reboot côté, je sais plus qui, côté Bialy, je crois. C'est ça, côté Bialy. Puisqu'il a un VAC authentificateur error, donc on va pas tarder à reprendre. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher BBS, dis-moi dessus. J'ai une blague, Titan plus Fnatic égale Titanic. Ah, si c'est ça ta blague, je te jure, je te banne. Vraiment. S'il y a des modos sur ce chat. Régulez-lui son con. Non, sans déconner, Obsis, tu n'as pas osé penser à cette blague de merde. Sans déconner. Je crois qu'au moins tous les mecs qui sont sur ce chat y ont déjà pensé une fois, mais sont retenus. Parce qu'ils ont du respect envers eux-mêmes. Ah, ils ont un peu de respect envers eux-mêmes et pour tout le monde. C'est ça, en fait. Ils respectent les autres viewers. Après, s'il faut, c'est peut-être pas ça, la blague. Bah, on a hâte de voir la chute, alors, si c'est ça. Ah, il a juste dit MDR, en fait, donc non, je pense que c'était ça. Merde, oh, le con, il s'est pas respecté. T'as baissé dans mon estime, hein. T'as fait deux beaux trolls juste avant, et là, non, là, c'était nul. C'est tout pourri. Vous tapez toujours des matchs entre viewers. Entre viewers et que des viewers d'IPLO sur un serveur, ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Maintenant, moi, des MM viewers, oui, j'en fais toujours. Bon, là, j'en ai pas fait depuis genre 2 semaines, je crois. Mais oui, ça m'arrive relativement souvent d'en faire. Mais d'ailleurs, je pense qu'on en fera un le 28. Puisqu'il y aura le tirage au sort pour le fameux P2000. C'est un quoi déjà? Fire Elemental Stat Track, voilà, que je fais gagner sur ma page Facebook. Donc un P2000 d'une valeur de 45$, je crois. Un petit peu plus même. Donc qui est à win et on partira donc dans la foulée de la giveaway avec le gagnant de la giveaway, probablement s'il a le time. Et puis tous ceux qui seront chauds pour du matchmaking, voire même du pick-up, hein, si on est nombreux. Je pense que j'aurai pas trop de mal à trouver un serveur. Mais oui, j'en fais toujours. Faudrait que tu me débannes de mon vrai compte. Que je te débanne d'où? De quoi tu parles, de Ghost? Ah, remarque, si
si tu parles d'un ban sur Steam, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai fait de la place sur Steam parce que j'avais la liste full. Et je vais pas te mentir, je crois que j'ai délai pratiquement 20 personnes au pif. T'étais peut-être dedans. Il se peut que, par malchance, t'étais dedans. Mais ça m'étonnerait quand même. Je vois pas pourquoi. Bon, j'aurais fait gaffe quand même. Bon, en général, j'essaye de virer des mecs que j'ai pas vu ce code depuis 20 jours, 30 jours, 1 mois, 6 mois. Tu as abandonné un peu le Steam. Pardon ? Tu as un peu abandonné le Steam. Une fois que je t'avais ajouté, ça remonte à 3-4 mois. Ouais, bah c'est peut-être ça, j'ai dû te... Bah si t'as deux comptes Steam en fait, il y en a peut-être un que t'avais pas utilisé pendant quelques temps. Et comme j'ai fait par rapport au nombre de jours de déco, tu sais, quand tu supprimes des mecs sur Steam, t'as le nombre de jours depuis leur dernière connexion. J'ai dû voir un truc genre 10 jours et j'ai dû te battre. Comme un gros sac. Eh, hey, je joue pas depuis longtemps, je suis Silver 3, ça fait rêver de voir des matchs pro. Bah effectivement, hein, c'est pas que parce que t'es Silver 3, hein, crois-moi, même quand t'arrives dans des ranks un petit peu plus élevés, type Aigle ou LEM, genre de conneries, tu vois pas des matchs de ce niveau-là en LEM. C'est très très rare. De temps en temps, contre un ou deux bons joueurs, mais t'as souvent une ou deux brebis galeuses, donc t'es quand même 90% du temps sur des matchs un petit peu chelous, voire complètement random en matchmaking. Donc c'est pas étonnant. Quelqu'un qui demande qui c'est les casters, ben c'est moi, voilà, la réponse c'est moi. C'est moi, c'est le mec timide. Bonsoir, c'est Benji, donc mon acolyte, et Illyrix, donc c'est moi-même. Pour cette soirée, n'oubliez pas que vous avez la game show aussi, hein, qui a commencé, je crois, pas plus tard que maintenant. Ou alors il y a 2-3 petites minutes sur la chaîne Hitbox. Alors je sais plus ce qu'il y a comme match, hein, je les ai oubliés, mais il y en a 3 BO1 qui vont s'enchaîner avec Rico et Firstox. C'est ça, ouais, trop compliqué, je t'appelle qui c'est qui. c'est vrai que ça n'a aucun putain de rapport. Hein. Surtout qu'en plus, on va pas se mentir, mais allez, il y a beaucoup de global qui net. Ou qui sont nuls parce qu'ils sont boost. Donc même le niveau global est assez pété. D'ailleurs, je vais en reprofiter du coup, je parlais de la giveaway que je fais sur mon Facebook. Je vous drop le Facebook pour ceux qui n'auraient pas encore participé, c'est gratuit, hein, n'hésitez pas. Un P2000 stat track de 45 boules à gagner. Tirage au sort le 28. J'ai déjà vu sur un serveur 1v1 Lyrix. Possible, Agent, ça m'arrive la nuit quand je me fais chier ou quand j'ai rien d'autre à foutre d'aller sur les serveurs 1v1. Je trouve ça plutôt rigolo, ça occupe. Bah, je viens de le dropper à l'instant, Obsi60, le Facebook. J'ai plutôt caleçon boxer. Seul. Aucun des deux. Il y a vraiment ça sur moi. Il a vraiment tweeté ça, ce schlag. Je vais une fois par an sur Twitter. Bah, je vais être obligé de me co à Twitter juste pour répondre. Tant pis. Je ferai ça juste après. Il y a 3-4 mois. Ah putain, ouais, t'es une sacrée mémoire quand même. Hein. T'as une sacrée mémoire. Hein. Ça s'en va like noob. Merci, ça me fait plaisir. C'est gratuit. Mais merci de quoi, Psys? Pourquoi est-ce que tu me dis merci? Je comprends pas. Bah, du coup, on va peut-être prendre un remplacement, un remplaçant du coup des Viali là. Ça dépendra juste de l'admin, tout simplement. Voir le temps qu'il va accorder au VP. 60 secondes, putain, ils vont se connecter vite alors. Pour l'instant, moi j'en vois que 3 de chaque côté. Hein. Ouais, faites des case opening. Alors, moi non, peut-être que Red en fait entend, parce que faut savoir que c'est pas les casters que vous entendez là, c'est-à-dire que c'est pas nous qui streamons là. On a un streamer, c'est Red qui est à la tech tous les soirs, qui s'occupe de l'image et de la caméra ainsi que du son. Alors peut-être que lui de temps en temps fait des openings sur la TV, je ne sais pas, je crois que ça t'est arrivé d'en faire de temps en temps. Mais on en fait très rarement, hein. Ça coûte cher pour pas grand chose, les trois quarts du temps. Ça dépend, tu peux avoir de la luck et gagner masse boulesse, mais
Mais les trois quarts du temps, quand tu fais une giveaway, enfin quand tu fais un opening case sur un stream, que tu gagnes des trucs stylés, t'as tout le monde qui te spam, vas-y, go giveaway ce que t'as gagné! Tu t'es un peu racketté, c'est pas forcément marrant. Je viens m'interdire que tu vas à l'Epsilon. Je devais y aller. Enfin, je devais. C'est resté au stade embryonnaire, hein, mais en tout cas, ouais, j'avais pour idée d'y aller avec des potos, avec IBS, avec qui je stream régulièrement le matin, voire même l'après-midi, voire la nuit en ce moment même. Avec IBS, avec Lizix aussi, puis d'autres potos. On n'a pas pu parce qu'elle était fou, on s'y est pris au dernier moment. C'est-à-dire que le soir, on a regardé, où on s'est posé la question, il y avait genre 10. Le lendemain après-midi, il restait plus que des slots réservés, du coup, on a senti l'arnaque un peu, et on n'ira pas. Mais effectivement, on était pas loin d'y aller. Mais il se peut qu'on fasse la SLE, voire même peut-être une PXL bientôt. Ça va pas tarder, ça commence à se connecter. Il manque quelqu'un côté des DC aussi. Ah, il manque pas cher, ouais, il manque pas cher. Ouais, mais carrément, Opsis, hein, ils ont envoyé des photos, voire même à nous envoyer des petites infos. Mais en plus, Opsis, je viens de percuter mes raids. On la casse, l'Epsilon, en plus, ça tombe très bien. Confirme-moi, il me semble qu'on la casse. Raid. On la casse, l'Epsilon, non? Voilà, on est d'accord, j'avais un doute, j'étais pas sûr, j'ai pas envie de dire une grosse connerie en live. En fait, pas du tout, bah du coup, Opsis, au-delà de. Bah du coup, de nous envoyer des photos, on va même peut-être te caster, Opsis, hein, donc soit chaud, soit là. Là, ce qui vient d'envoyer le lien du move de Pacha sur Cobalt, je vous laisse le regarder. Pacha is love, Pacha is life, effectivement. Ça se passe comment pour le tirage au sort du Fire Elemental? Bah alors t'as toutes les entre guillemets les instructions pour participer dans le post, et après moi je fais le tirage au sort avec DC Code, un logiciel en flash sur Google, n'est-ce pas, pour tout simplement tirer le gagnant. Mais il est important de respecter les règles, parce que sinon tu ne peux pas être pris en compte entre guillemets par le logiciel. Enfin les règles entre guillemets, les conditions de participation en gros. Ils vont pouvoir commencer CT, ça c'est une très très bonne opération pour le CW. Ouais. On peut se reporter avec ou sans blague? Avec des blagues, mais pas avec des blagues type Titanic. Si tu peux. Sinon on fera avec, mais... RNKS. Poulet. Allez, du coup, on va pouvoir repartir sur cette deuxième map, mon cher Benji. Ouais, on est parti, il va falloir le planter hein, côté CPH, parce que VP sur Cobal en côté terreau, c'est un bon solide. Un je pense que ouais, ça doit pas trop les déranger de commencer terreau. Il faut impérativement qu'ils mettent ce pistolet, hein, les Copenhagen, sinon il va y avoir des gros soucis. Ça m'a bien rush du côté des terreaux sur A. Oh, cette agression dans le mid qui va être stoppée. Oh, cette agression dans le mid. Oh, Pacha! Fais ce qui tombe directement sur le bon kill de Pacha dans la tête. Du coup, ça va bien agresser, ça va se ramener pour des CP. Attention à Lunden qui met du caca dans la smoke. Oh, Pacha! Oh, Pacha qui a cercuté. Oh, ça c'est joué rien du tout, il s'est pris un hit au couteau. Mais derrière, attention, on a Acilion qui a été super naïf et qui s'attendait pas à se rusher, mais MSL bien solide. Il prend le double kill, par contre, il a un V2. Un V2, ça va être compliqué. On a un Pacha qui est un peu lourd. Non, il va tomber sur Bialy. Du coup, les VP qui vont prendre ce. C'est bien pour eux, écoutez, ils peuvent mettre pas mal quand même. Pacha qui a fait un énorme taf encore, hein. Il est à deux doigts de se faire cutter, il a couru dans les smokes, il met un énorme OS dans le mid avant d'en prendre deux. Pacha, ben voilà, comme je vous le disais sur Mirage, voilà, c'est le mec, il porte ses couilles concrètement, hein. Sur les agressions, il est devant. Tu sais qu'il va courir, c'est quand t'as les VP qui arrivent, tu sais que le premier c'est Pacha en général. Si tu le tues en général, l'agression se passe bien, sinon t'es dans la merde. La grosse agression de base sur Cobalt. Et effectivement, Glow, on se demande si les CPH communiquent, c'est Facilion. Lyon a eu. Je sais pas s'il a été super naïf en pensant que Pacha allait pas le rusher. Mais c'était effectivement très chelou comme action, pardon. Et pendant ce temps, Snax qui prend un double kill, Pacha qui prend l'opening juste avant. J'ai pas eu le temps de noter sur qui, puisque je lisais les chats. Et du coup, on est en situation de 5v2 simplement. Sur cet écho de CW, qui prend un bon kill sur Tal et qu'il aura pas pris, c'est dommage. J'aurais pu prendre un bon headshot. Oui, mais tout à l'heure c'était sur Kubble, enfin c'était sur Mirage, Rodin. Je parie à ce que j'avais dit sur Mirage, Rodin. C'est pour ça que j'ai parlé de Mirage. Mais j'ai bien vu qu'on était sur Kubble. Je suis pas encore complètement con. Enfin, si je suis pas forcément une flèche, mais quand même. Quand même. Je me respecte un peu.
Donc j'en suis pas encore à ce point là. Alors encore en écho, c'est W évidemment Snacks hein, qui fait la spéciale avec son Mac 10 hein, qui engrange du pognon, n'est-ce pas? 5 sur B, on va les attendre. Et la bombe qui ça, mid. C'est un coup de cœur, mais c'est un coup de poker qui va coûter risqué. Cher. Bah, ça va coûter cher la bombe qui est mid, on va prendre l'info qu'il y a personne, on va s'avancer tranquillement du côté de l'EDP. Bah, Frisk qui se fait agresser sur ce Skyfall et du coup, bah... ah, il y a le retour quand même des CPH sur le BP. Et ouais, c'est un retour des MSL à la sortie d'une smoke, hein. C'est super dangereux risqué, de faire ça. Il aurait pu prendre un kill quand même, hein. Il s'est fait rabattre par Bialy et du coup, voilà, la bombe qui va être plantée, ça va être compliqué. Hein. C'était de récupérer la. Il récupère ce BP en écho, tout est jouable, on va dire. Ouais, on est en 4v5, les CW qui vont tenter de faire des armes, parce que là, concrètement, sécuriser le round, ça me paraît juste pas possible. Un peu que ça à faire d'un côté. La question, c'est ce qu'ils vont y arriver. Ah, ça tombe beaucoup à côté des CPH, pas d'armes qui tombent du côté des VP. Allez, quoi, vous pouvez mettre le X-ray, bien sûr, Dicti. Bien sûr qu'on va te mettre le X-ray, poulet. Non, on n'a pas dû faire exprès de l'enlever ou il a dû se barrer tout seul, j'en sais rien, ça le fait de temps en temps, Red va vous le remettre les poulets. Allez, du coup 3-0, les VP concrétisé leur pistol run, ils ne se sont pas fait éco-fist, faut dire les CW n'ont pas force buy non plus, donc c'est relativement logique. Par contre ce round est super important, c'est-à-dire que là si les CW le perdent, les VP partent en 4-0, puis probablement 5-0, et ça ferait déjà beaucoup en, ouais, en ça fait mal, 5-0, faut dire bonjour au nouveau sub. NKS qui vient de s'abonner, merci à toi poulet, en plus on était ensemble sur le TSIBS tout à l'heure. Gros poutou à toi, poteau, ça fait carrément plaisir, merci de ton soutien. Et pendant ce temps, on continue d'enchaîner, toujours 3-0, on n'a pas pris de First Blood pour l'instant, c'est toujours du 5v5, il reste quoi, allez, 1 minute 10 à jouer grosso modo dans ce round, et on va visiblement décider de faire chier un petit peu SMF dans ce Skyfall, il va se prendre du stuff sur la tête, il a pas spécialement été blanc, il est super bien positionné pour réceptionner, il va prendre l'intrigue, c'est arrivé. Allez, on a eu la bonne flash d'Inden. Qu'est-ce qu'il peut prendre un kill, là? Je sais pas s'il va pouvoir le prendre au niveau de la ligne, mais... La bombe qui est toute seule, donc elle se rabatte sur ce mid. Et du coup, on est bien ce PH là. On est à boîte 4, on est bien placé, on peut. Ah, Frisk qui va se décaler pile le moment où ça va agresser. Et il va se retrouver tout seul sur le BPA. Peut-être pouvoir passer côté VP sur ce BPA. Il est super mal. Bien placé, MSL. Il est méga bien placé. Ça va être extrêmement compliqué MSL d'aller chercher. Oh, il a pris le stuff au pire moment du jeu. Il avait tellement eu l'occasion de prendre le kill. Du coup, il va se retrouver à smoke. Il va être. Ça va devoir reculer, mais attention, ça appelle Frisk. Ça c'est un appel aux autres. Frisk. Oh, Chris qui prend le bon pro, il va la rentrer. D'abord, pardon, se faire smoke, du coup. On est rentré, ça va être compliqué, VP là. Chris qui est, c'est pas mal là, qui peut surprendre Néo. Voilà, il est surprend même de manière magnifique. Regarde là. Pachak est tout seul. Pachak est tout seul, et comme prévu, Frisk, bah, qui répondu à l'appel au rape, hein, il a vu le stuff arriver, s'est dit, ok, c'est pour moi, il est sorti, il a collé de hit, c'est parti tout seul, Frisk double kill, il ne reste plus que Pacha qui va tenter, bah, d'économiser son arme, il n'y arrivera pas, c'est MSL qui va, le chase, 3-1, premier round d'armée pour les CW, bah, relativement facile, hein, les CW, sur ce round d'armée, il n'y a pas eu de soucis, la VP qui a fait le boulot, non, pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. Vous voyez que tu voulais pas jouer avec moi, IBS, tout à l'heure. Si. J'ai dit que je partais sur le TS Clan Mystique pour préparer le live du soir. Je sais pas si t'as entendu, du coup je parlais avec IBS. Je sais pas si t'étais là quand je l'ai dit. C'est pour ça que je suis pas revenu après, poulet. Tout simplement. De quel skin parles-tu? Oh putain, l'autocorrecteur qui me marque soin au lieu de skin. Merci l'iPad. Il y a toujours situation de 5v5 pour l'instant. Yo à toi Dwight. À 4 sur 1. Notre actionnaire principal. Il est 4 sur 1. Après, ce qu'il peut prendre un ou deux kills. Allez, cette. Non, il va se reculer. Il aurait pu prendre un kill. Hein. Ok, ça marche. Très très bien. Je vais enfin pouvoir entendre la voix de mon patron, celui qui me paye. C'est bizarre de casser avec le mec qui paye la CMTV quasiment lui tout seul. C'est super chelou comme idée. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, toujours 5v5 en jeu. Pacha a sorti son AVP, il ne l'avait pas au round précédent. Ça va peut-être faire la différence. Il sera battu sur B et c'est une bonne idée. Ils sont que deux à défendre sur B. Et du coup, ça va bien l'agresser, mais Ashium qui, malgré la molotov, va faire un bon kill et qui va en prendre sûrement. Ah non, il va tomber directement sur le kill de Bialy. Du coup, le BP qui est quasi open, il va falloir faire tomber un dan qui va tomber maintenant. Du coup, c'est on pris. Est passé sur B et on a une rotation qui va être. Non, il est mort. Pacha qui aurait pu faire quelques kills, mais tu vas se faire tuer du coup. C'est là qu'il peut prendre un bon kill là. Et on va se rappeler sur le BP. Oh, oh Frisk est à deux doigts de mettre le pire MS du jeu là. La brochette travers porte, elle s'est vraiment jouée à pas grand chose. Polo qui va deny sa lane. D'ailleurs, on est en train d'agresser sur Taz, mais Taz bien positionné qui laisse passer. Hein. Très intelligent, ça va être pour Snax. Snax qui va survivre. Ouais, ça va tomber le PCPH. Un contre deux, c'est encore faisable. Hein. C'est encore faisable, un contre deux.
si là ça va être compliqué, non, ça va tomber, écoutez bien. Mais là c'est Snax, hein, Snax, ouais. Paradoxalement, n'a pas pris de kill là sur cette reprise de BP, mais il les a tellement fait chier avec son caillou, à tourner autour, accroupi debout, accroupi axe debout. Il y a trois joueurs différents qui l'ont agressé à tour de rôle, il n'y en a aucun qui a réussi à le tuer, il a forcé le focus sur lui. Des RCM qui ont pris les kills, c'était super vraiment bien joué. Snax super intelligent, bah, qui va permettre tout simplement au VP d'envoyer les CW en écho, et ça c'est le cinquième round qui est gratos. Hein. Cinquième round gratuit, ils ont déjà fait leur tâche sur le côté terreau, mais on sait qu'ils sont bons, donc ils peuvent en mettre quand même quelques-uns de plus. Ça marche aussi, passez de bonne soirée, bon. Gabit qui vient prendre le bon entry kill, derrière Snax qui prend un bon kill aussi. Du coup, on est passé tranquille sur B, ça va tomber côté CPH, je pense. Le Freeze qui va. J'attends Skyfall, mais qui va trouver personne, et du coup, il va se faire rush. Là, ils sont 5 et tout seul. Il va tomber logiquement sur ce round, et on est déjà sur, on est déjà sur du 5 ans, c'est pas mal côté VP, hein, côté terreau. Mais... Là, c'est gratos, la Freeze qui va pas pouvoir faire du miracle avec son CZN. Son seul objectif, c'est de faire tomber une arme, Tazé, visiblement, et prendre son kill à Croupax calmement. Il n'y a pas de surprise pour l'instant. 5 à 1, le VP qui sont en train d'assurer un side terreau pour l'instant plutôt correct, même plutôt très très bon. On part sur du armée, il va falloir quand même commencer à en planter un peu plus à côté CPH. Sur ce round d'armée, il va falloir les surprendre. Freeze qui avance plus que tout à l'heure, hein. Alors, vu qu'il est à l'N4 tout à l'heure, il était vachement reculé sur ce mid, là il va s'avancer, il peut prendre un bon kill. Et ouais, effectivement, on casse ensemble après Dwight. Oh putain, salaud, Bayonet Doppler, FL Snapback, c'est plutôt mes rêves, ça, sale schlag. T'as pas le droit de dropper des trucs comme ça. Quoi qu'il en soit, on est toujours en 64v3 maintenant suite au bon taf de Freeze et MSL. On est même maintenant en 4v2. Pacha et Bialy pour l'exploit. C'est jouable. Franchement, ça peut passer sur un bon kill de Pacha. Pacha qui fait tomber à travers le mur. Et attention, parce qu'on a Bialy en plus de ça qui est en train de forcer le focus d'MSL sur lui. Il va mettre le traverse smoke et c'est MSL qui va coller le 2 balles. Machin 1v3. 1v3, ça va être compliqué. Il va avoir mal la bombe dropée sur le BPA. Et il va arriver dans le dos de MSL. Non, MSL qui va se retourner, qui va lâcher le stuff. Et qui va. Ah, j'ai cru que. Je pensais que Pacha allait faire le kill là. Le Pacha qui va avoir un peu de mal. Chaque smoke pile au bon endroit, il va s'avancer, il a son temps, mais il va se récupérer. Ah, il arrive à prendre MSL. Ah, il peut, 30 secondes à jouer, il a l'information sur un secondes, il a encore son temps. Donc ça compte en côté Anden, mais si, attends. Bah, il l'entend lui arriver dessus, donc il n'est pas complètement con, mais Pacha ne s'en doute pas, malheureusement. Et là, c'est le timing pour Anden de sortir. Ouais, qui va pouvoir sortir et finir le bon kill pour sécuriser le round. On a quand même 3 ans qui sont tombés côté. C'est tout fidèle, ça compte. Signé à lui. D'accord. Ouais, bah, je suis pas fan. Ah, lui est très fort, hein, mais je suis vraiment pas fan. Ouais, lui qui a fait quand même un bon taf, hein, pour remplacement de Mekelele. Oui, non, très clairement. Hein. Très très gros joueur, très gros AVP, super intelligent, etc. Mais je suis pas fan, vraiment pas. J'ai hâte de voir, mais je suis pas convaincu. Allez, quoi qu'il en soit, on est toujours en round d'armée de part et d'autre. C'est pas très solide d'un côté CW. Il joue relativement mal ce BPB, j'ai l'impression. Hein. Ouais, on a eu du mal à finir le dernier round. Là. Et du coup, ça va bien agresser devant cette mid, mais ah, Freeze qui va tomber sur le kill de Pacha. Très bien, du coup, le BPA qui va être free, mais derrière, attention, on a un CP qui. On a un MSL qui a pris le kill, mais qui va se faire revenir. Du coup, le BPA, non, ça sera pas BPA, mais attention, ils sont encore deux sur B, ils peuvent quand même aller tenter la mid. Un monde qui traîne autour de B, et du coup, le BPB est free. Est-ce qu'on va s'en douter du côté des. Du Copenhague, Gobolf, c'est T-side, pas pour moi. Pas pour moi, je pense sincèrement que c'est une map vraiment CT. Peut-être pas, une 60-40, mais enfin une 70-30, mais une bonne 60-40. Maintenant, je pense sincèrement qu'il la joue très mal, les CW en CT, cette map. Hein. Enfin, la façon dont il joue le BPB, perso, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre et à visualiser sur des agressions terroristes. Les reprises de BP qu'ils font sont par contre très correctes. On le voit avec celle-ci. Par contre, c'est 1-20 maintenant entre Taz et SMF. On va en reparler à la fin du round. Le fake diffuse qui va faire sortir Taf. Non, il va prendre un bon gros à travers le bon gros. Là. Bang, cool. Ça va être désamorcé. SMF coup, qui va faire le café. Bah, il est tout seul quand même. Il a perdu beaucoup d'armes.
Il y en a deux castors qui a un micro vraiment dégueulasse. Ouais, on sait, mais je pense que c'est juste un problème de réglage. Hein, côté Benji, ça va être chiant. Ça va être les réglages qui nous suivent. On a pas fait de pause en plus, hein, donc du coup, il a pas pu spécialement prendre le temps de le régler, l'ami Benji. Mais vous inquiétez pas, pour le prochain BO3, on va checker ça. Histoire de régler ce petit problème de résonance, n'est-ce pas? T'as ce qui dit que pendant cette game, il n'a pas de chance en rab. C'est vrai qu'il se prend n'importe quoi, t'as depuis tout à l'heure. Il n'arrive pas trop à exister, et encore une fois, Yunden vigilant qui va prendre le bon entry kill. Il joue super reculé sur ce BPB, pour l'instant ça paye parce que c'est de l'écho. Enfin c'est de l'écho, c'est du force buy même, qu'est-ce que je raconte. Ils sont plutôt très très bien là les BP en termes de stuff. Et ça sera bas à 4 sur ce BPB, ça va être compliqué là, même côté des terrains de l'empreinte quand même. Si on va avoir 2 AK, ça va être compliqué, Freeze qui a une grosse ligne cette porte. Et du coup ça va être chaud de passer. Attention, Néo ultra bien placé, mais qui va lâcher sa ligne dans le pire moment c'est ever. Il est en 3v2, mais Stax est en train d'arriver sur un très mauvais timing de la CSM qui va l'avoir normalement. C'est pris, il est attiré par Yunden. Hein. Et effectivement, Bialy 1v3, bah parce que Bialy, ça c'est le genre de round qui kiffe. Il a fait 3 joueurs. Ces 3 joueurs, ça lui permettra malheureusement pas d'aller sécuriser aucun kill puisque CSMH va dire non, tout simplement 5 à 4, on est en train de remonter gentiment côté CW et cette fois-ci on va faire un vrai écho par contre côté VP. C'était difficile là du côté des CPH, au début ils remontent doucement mais c'est vrai que c'est quand même difficile. L'économique est pas top malgré qu'on plante des rounds. Du coup, ouais, c'est pas en écho. On va rusher ce A par exemple. Qu'est-ce qui s'avance, qui va rencontrer personne sur cette ligne. Parce qu'il déjà tout se passer middle et le. Il va passer tranquillement parce que les deux étaient avancés. Il y a ça qui va pouvoir la récupérer, mais. C'est quand même beaucoup avancé les. Et c'était du coup c'est passé, parce qu'on était en point posé la bombe. Non, pas, ils pourront pas. Ils pourront jamais. Il y a que Freeze hein, qui a pris un kill avant de se faire éclater Bialy, mais voilà, derrière le backup a été beaucoup trop violent. On va repartir sur un round d'armée, pas. Je pense qu'il faut qu'ils posent leur jeu un petit peu, les VP. Ils ont été super agressifs sur ces 10 premiers rounds là. Et je pense qu'il faudrait qu'ils jouent plus sur le sniper de Pacha, qu'ils aillent chercher des entry kills en évitant le duel avec Fliss. Un petit peu comme le ferait Guardian sur des maps terro. Vous le savez, Guardian c'est un sniper qui n'est pas spécialement agressif, qui va pas aller chercher le duel avec son adversaire sur les sides offensifs. Il va plutôt aller chercher voilà, des entry sur des rifles, qui jouent sur les extrémités des maps, ce genre de truc. Et je pense que voilà, Pacha c'est ce qu'il devrait faire. Là il a encore tenté un duel avec Fliss, c'est la 4 ou 5ème fois qu'il se fait reboot. Je pense qu'il faudrait qu'il serve de sniper plus comme un ouvreur que pour juste une tentative d'élimination de la VP adverse dans un middle qui de toute façon ne les mènera nulle part, hein, CVP sur Kebal. Du coup, t'as pris risque d'aller chercher les pompiers agressifs et du coup, bah, c'est compliqué les VP, on va aller sur B apparemment. Je pense qu'on va être largement entendu du côté des CP. Les pompiers passent. Sauf parce qu'on t'entend plus, je crois que t'as réglé ton micro, mais là on t'entend juste plus du tout quoi. Oui, j'ai essayé de régler, mais apparemment on m'entend plus, d'accord, c'est. Là, c'est j'aime bien, sans déconner. Là, enfin, moi j'ai pas eu d'écho, là, ça se passait plutôt pas mal. Eh, du coup, pour l'instant, on est en 3v5, normalement c'est encore un round perdu, là, côté CW, on devrait pas se faire surprendre. Enfin, côté CW, côté VP, pardon. On va peut-être les Copenhagen qui devraient sécuriser un nouveau round. Eric, ta voix me fait B. Bah, arrête pas au B. C'est bien le. Alors, encore par ici à sécuriser toutes les armes. Des armes qui tombent, c'est vrai que bon, l'économie commence à être bonne, mais c'est vrai qu'au début ils ont eu du mal. Ils peuvent en perdre des armes. Ils peuvent vraiment en perdre, ça les gêne pas plus que ça. À l'inverse, les VP n'arrivent pas à s'installer dans un cycle économique potable, hein. Ils vont force buy, voilà, ça va ressortir des AK, pas d'Awa pure Pacha. Ils sont en cycle loser, donc ils peuvent acheter évidemment tous les rounds, mais voilà, on a pas forcément de Kevlar casque. Contre des M4, ça peut être punitif. On a très peu de stuff, on a 2 smokes de flash, répartis sur Taz et Snacks, c'est très très peu. Frisk qui est parti prendre la ligne au niveau 7 longue, il est attendu par Bialy, mais Frisk très vigilant, pardon, qui doit tout simplement attendre, et bien que son adversaire se donne, parce que c'est tout simplement terroriste, de chercher les kills. Et pour l'instant, bah voilà, ça joue très posément côté CW, ils se sont enfin remis dans le bon sens de la marche. Ça donne pas, côté Bialy et Pacha, ils restent bien à leur place, et du coup, Frisk qui va trouver personne, je pense qu'il va se rabattre de nouveau. Et il va trouver personne là. Enfin, attention, Pacha qui. Oh oui, le super headshot de Pacha qui va faire tomber Frisk.
Attention, attention parce qu'il y a MSL aussi. Freeze n'est pas tout seul. Le Seigre, il est bien placé, hein, parce qu'en fait, on est largement à Chan. Hein. On t'entend de nouveau plus. Faut vraiment que tu parles plus fort, je pense. Tu rapproches ton micro, je sais pas, mais... Ouais, je me suis rapproché, donc non, enfin, on là, c'est bon. M'entend, là. Hein. Là, c'est nickel. Là, on t'entend bien. On va jouer ce A par, par mid, et il y en a deux qui vont passer par un... Ça va sandwich. Ça va sandwich. Ça va sandwich violemment sur un tenter de sandwich. Et du coup, les CT qui vont se rabattre doucement et qui vont prendre aussi par derrière les deux qui... Les deux qui... Ouais, donc Snax qui va tomber sur le bon kill de SNF, et du coup, c'est... Ça se rabat, ça va être compliqué pour les VP. Oh, Tas qui avait un adversaire monté au niveau du balcony. Attention, ça arrive dans le mid. Pacha qui va être pris dans le dos probablement. Voilà. Ça va prendre le kill. Dans le mal. Double kill. Non, c'est pas. C'est... Il va prendre le double kill. Et du coup, bah, ils sont en 32. Ouais. Et le temps, time, le juste. Time qui va fucker le round. Après, c'est pas grave, faut qu'ils gardent leurs armes sans, voilà, sans problème. Ça va être fait. Et 7-5, attention, les CW qui sont en train de prendre le large. Hein. Ils prennent doucement le large, ils ont monté là, ils étaient un petit peu en galère sur le début, c'est vrai que ça remonte doucement. Ils font leur... Ils commencent un petit peu leur side, c'est tout. Ah, il faut vraiment qu'ils accélèrent les VP, hein. Il faut qu'ils accélèrent, ils sont encore en force buy, ils sont beaucoup trop mous, là je comprends pas, ils ont complètement changé de rythme depuis le début de ce side, ils avaient enchaîné des rounds, depuis le changement de rythme, ils se sont juste éclatés la gueule, sans jamais arriver à sécuriser de BP, c'est ultra triste, côté Virtus Pro, j'ai l'impression qu'ils sont fous de solutions, ils sont à court d'idées littéralement. Parce qu'il s'est fait booster, du coup ça va... Il s'est mis pour jouer un petit peu reculé, et du coup ça... Ouais, ça mais là en faisant ça, voilà, ils vont rester là pendant 10 ans jusqu'à ce qu'il y ait un CT qui vienne, mais le CT il a rien à foutre sur cette ligne, hein. Jamais de la vie il va venir. Oui. C'est vraiment pas forcément utile, quoi. Du coup, bah, ça va être compliqué, hein. Parce qu'on les attend, là, du coup, les CPH, alors ils alors, on a deux CT qui ont été vus de la part de Taz, Taz qui va esquiver la flash, lance l'agression dans le mine, et CDO qui prend le first blood sur tout. SL qui est blanc mais qui va tomber, c'est fait, c'est pris par Pacha, attention SMF qui va se donner également. Coup, ça passe bien, et là l'erreur elle est côté Pacha. Pacha qui va se donner bêtement à travers une smoke, c'était idiot. Et on se retrouve en 3v2 alors qu'on aurait pu attendre 4v2, vraiment beaucoup plus safe. Ça donne vraiment une opportunité côté CW d'aller chercher son. Et du coup ça va passer côté VP. Yo à toi Cyril, putain ouais, faut pas déconner, t'es à la bourre là. Ah, on a une pause. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Comment ça se passe le retard? Non, Doki Ding, comment ça va poulet? C'est longtemps que je t'ai pas vu en plus. J'étais pas là ce week-end. Effectivement, on a une pause. Qu'est-ce que comment cela se passe-t-il? Pourquoi il y a pause? C'est pas de... Oui, on sait pas pourquoi il y a une pause, il n'y a pas de joueur d'écho, peut-être d'ailleurs peut-être un souci sur les joueurs. On est allé boire des coups, bravo. J'étais dernier partiel, ok d'accord. Désolé, j'étais dernier partiel, j'étais, ou j'ai fait. Pour le coup, ta phrase a un sens plutôt chelou. Mais bah, du coup, c'est cool, t'as fini ton dernier partiel de ta life, si j'ai bien compris. Bah, ça va bien, fini les études. Presque fini, peut-être. Maintenant, t'inquiète, tu vas redoubler. Dernian, espèce de schlag. Je ne sais pas. L'admin qui fait le chien dans le chat, je ne comprends pas. Alors que l'unpose est call, donc non, tout a l'air d'aller bien. Je sais pas ce qui s'est passé. Au niveau des scoreboards, ben c'est équilibré, c'est entre les deux équipes. On a du 11. À côté de Bialy, 11 contre étable. Passe à 10. Néo qui a 6 et 8 pour Spax. De l'autre côté, on est à 10, 11. Voilà, c'est équilibré. 9 par Oxygen qui a 5. C'est pas non plus. T'as encore éloigné ton micro! Mais non, absolument pas, il est juste là. C'est que moi qui l'entends super bas ou vous l'entendez bien sur le chat? Ça rush B là, la sienne qui fait le. Qui fait le kill, London pareil. Du coup, va être stoppé dans l'élan là du côté des VP.
Attends, parce qu'on peut très vite retourner en round sur une prise du B. Les CT qui s'empalent dans des couloirs, pour l'instant ça va, c'est sécurisé, mais on est quand même en 2v. Pas du tout, on a un 1v4 maintenant, puisque Snax vient de tomber. Pacha AWAP, 28 HP, je pense que Pacha a lâché son AWAP sur ce site terreau. Vraiment, je trouve qu'il n'en fait pas du tout un bon usage. Pour le moment, c'est un peu. Du coup, ben, on est un peu en galère sur le niveau des VP là pour ce dernier round. On est bien, côté CPH, pas de problème. 3 mois en road trip aux States, mais tu te mets bien, Cyril. Tu veux pas m'amener dans tes bagages? Plutôt cool. Frisk qui va s'en lancer, mais ça rush le bon gros B là du côté de VP. Là on va assurer la défense côté Asylum. Ah bah là c'est 9-6. Mais là ça va pas être. C'est 9-6, c'est complètement 9-6. Ça pose dans la smoke, mais bon. Ouais, peu d'intérêt. Et du coup t'as tout seul, là, tu vas pas pouvoir faire le taf et voilà. Donc 9-6 pour le CPH qui ont du mal à se mettre dedans. On l'entend hein. Du fond du placard encore un micro Lidl. Donc effectivement on t'entend très mal. Hein. C'est pas tellement que le micro, enfin si le micro est nul à chier, et c'est pas tant que le son est pas clair, c'est surtout. Enfin je sais pas, t'es loin ou tu parles pas assez fort, en plus du fait qu'il y a un petit écho. Ou en tout cas une espèce de résonance. Parce que du coup t'entends très mal. C'est bizarre, je changerai le micro pour la prochaine. Oh là, attends, là ça a complètement changé de son là. Plus du tout pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon micro qui a hanté en fait. Je pense que là. Non mais sans déconner, là on t'entend très bien. Il y a la résonance, mais on t'entend beaucoup mieux. D'accord. J'appuierai sur des boutons au hasard pour la prochaine fois, ça devrait marcher. Lol, mais là, franchement, ça va. C'est déjà beaucoup plus propre que tout à l'heure. Allez, quoi qu'il en soit, on est parti sur le pistol. Les VP ont tout intérêt à le mettre sur le round pour recoller à 9-9 rapido. Ça s'avance, un côté néo-isme. Non. Ça va agresser le Skyfall en masse. Ça agresse. Allez, la flash infante qui est partie. Un bon gros kill. De toute façon, parce qu'ils insistent sur Frisk. Samba Vera, non, c'est. Oh, Taz! Oh, Taz qui prend le headshot derrière. Il y a des Taz qui vont tomber. Allez, la bombe qui a passé sur A. Et Snax, Pacha qui vont récupérer à 2. Qui vont se faire attendre côté Asylum. Pas pour longtemps, Pacha qui va tout simplement délaître Asylum de la map. Attention, il va coller de gros dégâts sur Yunden également. On va sortir, on est en train de s'assurer que le SWAT est clear. Et là, ça va tout simplement reprendre le BP. Côté Pacha, 8 balles dans le chargeur, il a pas tellement droit à l'erreur. Attention, des loges PVP, là, HE qui va péter, il ne reste plus que Freeze. La bombe est ultra bien posée pour Pacha là. En plus, il va se faire smoke par son mate. Il a 9 HP qui peut faire tomber rapidement. Voilà, et du coup, attention à Freeze. Il faut la lâcher cette bombe, hein. Ah, je me dis, voilà, est-ce qu'il va aller lâcher? Bah, fait peur, Pacha là, je l'ai vu la lâcher super tard la bombe. Allez, c'est bon, ça va être des âmes, pas de problème. 9-7, les VP viennent de remporter le pistol round grâce à Pacha qui fait un énorme boulot. Taz également, gros double kill sur la prise du connector par les CW. On est donc armé évidemment côté Virtus Pro. On va et Pacha qui nous a fait un side terreau, quasiment tout le long à la VP. Là, je pense qu'il va garder son max set pendant très longtemps parce que si je me souviens bien, il le joue au niveau de la box dans la longue baie, dans le petit corner là. Il se met très souvent ici, et j'ai l'impression qu'il y va. Il y va clairement. Il va mettre sa smoke, et puis il va aller se placer, tranquillou. Ah, il va se mettre dans le corner, gentiment, et il va attendre que ça lui court dessus. Il risque de faire très très mal, mais attention, parce que ça a clairement forcé le bail côté VP. Il risque d'être surpris. Oh, la HE! La HE de génie, la flash qui pop derrière. Oh, la HE de Pacha, tellement bien inspiré, qui va mettre énormément de dégâts. Oh là là, sur SMF qui va se faire éclater derrière le équipe de Pacha, non il n'y arrivera pas, SMF qui va le calmer. MSL qui ne pourra pas prendre le doublé, Frisk qui ne pourra pas revenge, la bonne flash qui va forcer Frisk à simplement reculer. Derrière la bombe est sécurisée, mais Frisk va coller le hit. Derrière c'est Biani qui va s'en occuper. Au final on fera tomber me semble une M4 et un pompe je crois. Donc ça reste plutôt pas rentable du tout côté CW en Sports Buy. Du coup, le 9-9 qui va être assuré quasiment côté des Virtus Pro pour recoller au score et une bonne écho, enfin une écho côté CPH. Et Snax, allez avec le popo Snax qui fait son boulot avec Neo. Et du coup, il est frisqué tout seul. Alors, il essaie de faire tomber de quelques armes, mais ça a été compliqué là. Quand l'incendiaire à l'extérieur de la smoke, il va bien mettre au fond l'ami Frisk là. Pour l'instant, il est à l'extérieur de cette molo. Complètement il est, bloqué. Il est condamné à rester devant la porte là, il est pas bien. Là, il est pas bien du tout. Snax qui va le décale en plus. Il va être vu et là, il va se faire bomber par le peupon de Snax. C'est pris 9 partout. Pas de soucis.
côté Virtus Pro, on a concrétisé le Pistol Run. Les VP qui ont concrétisé à chaque fois d'ailleurs, c'est gênant. Du coup, on part sur du armé côté CPH, full AK. Et le double AWAP du côté des VP. LOL d'Atlas. D'abord, on a vraiment valoir qu'on règle ton micro. C'est super ça. Je pense que c'est une bricole, hein, mais faut vraiment le régler, je pense. Allez, pendant ce temps, Snax il va suicider au niveau de la longue avec son AVP. On jouait en double snipe en plus, hein. Côté Virtus, Snax qui a un peu déconné là. Il va donner l'avantage numérique. Oh, numérique. N'importe quoi, je parle en mode Astérix, moi. L'avantage numérique au CW. Et attention à Neo qui est ultra bien placé, mais Frisk a la ligne sur lui. Oh, ah, ça va être pris, la bombe qui a été vue. Il a raté un kill qu'il aurait pu faire. Dommage. Du coup, bah, ça va être compliqué, hein. Et Neo qui va se prendre n'importe quoi là, signer MSL à travers la palissade, la bonne HE au niveau du soin qui risque de faire mal un peu ouais, à Bialy, mais derrière il va coller le bon HS. Là, HE qui va repartir sur SMF qui lui fera 0 dégâts, c'est en 2v2. Pacha qui va pas devoir se rater avec son AVP. Mais pour l'instant il est smoké, il peut pas tellement tenter de sortir. C'est ridicule. Oui, on t'entend encore moins. Lyric, j'ai déconné. Comment ça t'as déconné? Je sens la donation improbable de Dwight encore. Alors, attention, SMF qui se retrouve en situation de 1v2, SMF qui prend les deux kills sur ce round d'armée, 10 à 9. Attention de pas enterrer les CW sur ce site terreau. Qu'est-ce qu'il a fait encore Dwight Red? Red doit pas être là, il doit être sur l'autre live. Le lyrique j'ai déconné et le clan mystique dans le chat qui dit merci. Ça, ça sent la donation Dwight encore. Allez, du coup, on est encore armé à hein, côté Virtus Pro. On avait mis 3 rounds d'affilée. Attention à Bialy qui tente de wall dans la smoke. Il va se prendre quelques hits. Il va reculer intelligemment. Il va pas se donner plus que ça. Et bah, bien heureux pour lui hein, qu'il ne soit pas décédé. Ça s'est pas joué à grand chose. Par contre, Pacha, mais Pacha, il s'en bat les couilles. Hein. Il est tellement agressif. Il s'en sort à 10 HP. Mais il doit être puni normalement, là, Pacha, pour ça. Hein. Attention à Taz qui est pas mal là. Au niveau du placement, hein, il peut faire mal. Ah, Pacha qui rentre un coup de type à pro, là par contre il va se faire wallbang et voilà, c'est pris par SMF. Taz qui va devoir être solide, Taz qui prendra qu'un seul kill derrière, c'est la web de Frisk qui va tout simplement rééquilibrer les compteurs. On va pouvoir poser la bombe, c'est du 3v3. Et attention, parce que justement, cette AWAP sur Frisk va être décisive sur cette défense de BP. Il prend le bon kill et. Attention, il est low quand même, voilà, il va tomber et les BP qui se mettent en 2v1. Hein. Et du coup, c'est Neo. Double kill sur Neo, double kill sur Taz. Ça va recoller à 10-10 côté Virtus Pro. Et en plus de ça, il y a moyen que ça écho côté CW. T'as regardé, il y a Xafoulet qui te dit tu veux un mix sur j'en ai deux de trop. Je pense que tu devrais te mettre en contact avec pourquoi Zab, pas, tiens. Parce que vraiment c'est chaud là. C'est super chaud. Bah, c'est assez décevant pour moi. Parce que... C'est faisable. Hein. Parce que je me tape à répéter ce que tu dis de peur que les gens ne t'entendent pas bien. C'est très chelou. Si vous êtes d'humeur charitable, n'hésite pas à contacter Benji. Hein. Je laisserai mon Skype à la fin du match. Bon, c'est cool, mec. Oui, je suis comme ça. Le bon gros rush B hein, pour l'écho, Tech 9, Taz et Bialy qui font le taf. Et du coup, bah, on a 1 contre 4 et ça tombe logiquement. En plus Xav se permet de te l'offrir en plus. Hein. Il te demande même pas un paiement, il te dit non, c'est cadeau. C'est sympa. Très sympa. Laisse-moi quelque chose, un numéro de téléphone, un Skype, on peut s'arranger entre nous, il n'y a aucun problème. Là, il te met bien, micro sur pied et tout. Eh oui, tu seras avec moi après, Dwight, c'est trop cool. D'accord, et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que je vois qu'il lui a dit merci, je vois qu'il me dit j'ai fait le fou, qu'il a fait encore. Encore? Putain, mais sans déconner. Merci à toi, Dwight, sans déconner. Mais il est en train de remplir les caisses de la CMTV, Dwight, hein. C'est hallucinant. Du coup, encore merci. Hein. Je vais bon te dire merci à chaque fois que tu viens sur le chat, de toute façon. À chaque fois que tu viens, tu files des sous. C'est assez hallucinant. Sol pleureur. Un cut sol pleureur, il a dit. Il est quoi? Putain, il a dit un cut sol pleureur.
Un Doppler, je crois que ça s'appelle. Attends, il t'a filé le Doppler stat track là? Il te l'a filé. Ah. Putain, mais c'est scandaleux. Attends, non, on va s'arranger, on va faire autrement. On va faire autrement. Je vais passer un couteau aussi, ouais, et je vais prendre celui-là, ouais, attends. Faut pas déconner, là. C'est un scandale. Il va falloir me donner le Doppler pour que je puisse m'acheter un micro, les gens. Faut faire quelque chose non, comme non, ça. Non, hein. Dis que t'as raté. Oh, putain, n'importe quoi. En tout cas, vraiment merci à toi, Dayton. On va arrêter de troller, mais vraiment mille merci. Quoi qu'il en soit, pendant ce temps, on est en écho côté ACW. Ah, normalement, c'est le 13-10-1 côté BP. Faut voir. Ouais, y a pas de raison que ça déconne. On est en train d'assurer. C'est du 4v2. La prise du BPA qui a été reboot. Et c'est Snax qui va conclure avec son AVP. On a enfin ce setup double snipe. Je crois qu'il l'avait pas au round précédent. Il y avait que Pacha. Ils vont pouvoir s'exprimer un peu plus facilement maintenant. Les Virtus Pro se permettent peut-être d'être un peu plus agressifs et moins passifs. Mais on va voir comment ça se passe. Je pense que là, normalement, les VP ont la main sur la map. Alors, le prochain round, s'ils déconnent pas, ils devraient t'assurer tranquillement avec ce setup double snipe. Allez, le double kick qui est sécurisé côté Néo, me semble-t-il, alors que j'ai un back Windows complètement improbable qui vient de pop. Et on se retrouve du coup maintenant en situation de 4v2 encore une fois, avec le kill qui a été pris par Freeze derrière série Revenge par Snax. Pas de soucis pour l'instant côté Virtus Pro, c'est le 14-10, voire même le drone, hein, puisque derrière on sera de nouveau en économie si tout va bien. Donc y a pas de raison voilà, qu'ils se fassent surprendre là les VP. 3v2 quand même, attention. Devez de maintenant, attention le round qui est en train de se retourner tout doucement, la bombe qui recule, elle est très intelligente cette bombe, la SMF qui n'est pas bête, qui va pas se donner, mais attention à Task à la très bonne ligne, et ça c'est l'info qui a été prise, bien dit qu'il y a le timing le plus pourri du monde, qui va se faire surprendre, il reste 35 secondes, mais la bombe est sous le contrôle de Task, elle est tellement mal positionnée, Task qui peut aller la cover, mais d'ultra long là, il pourrait aller limite se mettre dans le pigeot au fond du spawn terreau là-bas, il serait juste relativement even, et là Sidon qui va faire l'erreur en arrivant sans checker dans son dos, 14 à 10, on part normalement en économie, pas du tout, quoique. C'est pas impossible. Ils vont probablement force buy là pour pas laisser le 15ème round au VP. Enfin, deux solutions. Oui, force buy pour pas laisser le 15ème au VP. Ou ils écho. Mais bon, force buy, le problème c'est que s'ils perdent ce round, ils perdent juste le BO3. Là, ils ont pas le droit à l'erreur. Allez, Pacha solide avec son AVP qui va prendre le premier kill avant d'être revenge par Acilion. La prise de ce BPB qui est lancée, Acilion double kill derrière c'est puisqu'il va en prendre également. C'est du 2v3. Attention les VP, tout à l'heure ils ont eu très très chaud en laissant passer comme ça une balle de match quasiment hein, sur un round d'armée. Ça a failli leur coûter cher, ils s'en sont sortis à 16-13. Il faudrait pas que ça remonte encore une fois côté CW. Hein. Allez, 1v3, ça semble bien mal barré là pour Snax. Ah, il va se prendre des hits, il est mid-life maintenant, la flash instant qui va popper, la smoke BP aussi, la deuxième flash, et là il faut lancer la reprise très très vite, le temps qui passe, tous les CW sont blancs, il faut qu'il fasse tomber des armes, mais il n'y arrivera malheureusement pas, c'est Yunden qui va venir sécuriser sur Snax, 14 à 11, on va pouvoir acheter côté Virtus Pro, par contre l'économie des CW n'est encore pas folle, hein, ce qui fait que s'ils perdent encore une fois ce round, eh bien ils vont être un petit peu juste pour le prochain. Que veut dire revenge? Revenge en fait c'est un terme utilisé pour quand bah, par exemple t'as un terreau qui va lancer une agression, qui va tuer un CT. Normalement un CT n'est jamais seul, hein, c'est toujours défendu en binôme ou en trinôme, un BP. Et bien le binôme ou le trinôme du CT qui vient de tomber va venir prendre le revenge kill simplement pour venger son collègue, histoire de rééquilibrer les compteurs et ne pas laisser les terroristes en avantage numérique. Tout simplement ça s'appelle un revenge pour que... Simplement que les terreaux n'accentuent pas des avantages numériques, on en a grappillé des kills par-ci par-là. Il faut impérativement, pour faciliter le travail des CT, et bien que les CT qui tombent soient tout simplement vengés en gros. Allez, Freeze qui est tout seul, ça c'est le 15ème round normalement
Pour VP, on est en 3v1. Il est sans la bombe en plus de ça. Il est clairement attendu par Bialy derrière le petit muret en BEA. La flash instant qui pop. Bialy qui ose pas malheureusement poursuivre sa décale. Il va finir par y aller, mais Fris aura le temps de prendre le kill sur toi. C'est un peu ballot économiquement parlant. Mais quoi qu'il se passe, ils ont le 15ème round. Pas de problème côté polonais. On n'a pas masse boules hein, malheureusement. TCW, on voit quoi? Un Tech 9, 2 Tech 9, 3 Tech 9, il n'y en a qu'un. Galil, ça sent la win, poulet. Bisous à toi Xav, bisous bisous, merci d'être passé poulet. Attention parce que je suis en train de what the fuck, je suis en train de lire le chat et je vois que l'écho est en enfin l'écho. Le force buy est en train de passer, on est en V2, ouh les CW qui viennent de se donner comment dire un sursis j'ai l'impression. À moins que Néo réussisse l'exploit d'un V2, non il n'y arrivera pas. 15-12, attention parce que les VP n'ont pas d'argent, ils vont également être en écho. 15-13. Mon dieu, que c'est tendu, les VP viennent peut-être de laisser passer l'occasion. Si ça remonte en overtime. 15-15 côté CW, ils vont pouvoir se bouffer les noix là, les Virtus Pro sur ce round perdu en force buy, pardon. Pacha qui va lui aussi forcer le buy, il va sortir un AVP. Que c'est tendu ça, ouh que c'est tendu comme situation. Pourquoi tu appelles tout le monde poulet? Parce que j'aime les poules. Et oui, on t'entend. D'accord, parce que le micro qui est vraiment vraiment en galère, c'est chaud. Et ça fait le même truc qu'il côté MSL. Ouais, sur Pacha qui a agressé alors qu'il était le seul joueur à un mec en AVP. Ça c'est juste pareil une donation. Là on vient littéralement de donner 4750$ côté Pacha. C'est gratuit, c'est cadeau. Et du coup les CW qui sont bien là, qui peuvent reprendre les 13-15 et qui pourraient remonter au score. Ah, faire attention. Du côté des VP. Ouais, mon deck des 5-7 là, c'est la merde hein, quand même. Côté Virtus Pro, à pas se le cacher, c'est un 3v5. Pas trop ce qu'ils pourraient faire, ils vont juste mûrir, tout simplement. Oh là là, les kills qui s'enchaînent, Bialy qui ne pourra en prendre qu'un seul avant d'être revenge par SMF, il me semble. Il ne reste plus que Snax tout seul, 1v4, avec un P250, pauvre qu'il est, il va aller l'économiser. C'est plus son Kevlar hein, que son P2 qu'il va aller save pour le prochain round. Il est tellement attendu en plus dans ce middle par Fris. Il va probablement se monter, c'est Fris qui va l'attendre. Attention, le POC qui est parti, hein. Snack, je sais pas comment il arrive à caler un HS là-dessus. Il va coller la bonne flash instant, il y en a une deuxième qui est partie, il va être blanc, il va tomber, Fris qui fait le bon move. 15-13. Attention, parce que les VP sont obligés de faire une deuxième écho, là, suite à Source Buy, un petit peu random, là. En tout cas, ça serait mérité pour les CW de recoller à 15-15, dans le sens où bah, ils ont quand même sorti une écho alors que les VP avaient le draw, je crois, en tout cas le 14ème round au moins. Donc ça serait vraiment un exploit hein, que les CW arrivent à remonter 15 partout, tant l'avance que les Virtus Pro avaient engrangé était grande. Dans la situation dans laquelle étaient les Danois, ça paraissait quand même assez improbable. Ils ont réussi à le faire. Maintenant, attention de pas se prendre une écho non plus. Ouais, il y a peu de chances que ça passe. C'est du 3v5 maintenant. Côté VP, l'overtime se rapproche tout doucement. On va avoir droit à un dernier round d'armée avant de peut-être conclure ce BO3 ou pas. Puisqu'il se pourrait qu'on aille en noter tout simplement les poulets. Et Tasnax et Bialy qui se retrouvent donc en 3v5, on a les informations, on voit que ça passe sur le BPB, le problème c'est que malgré cette info, on va pas pouvoir faire grand chose pour empêcher CCW de poser la bombe et de sécuriser les kills. Pas grand chose à faire côté Tas, mais aller éco cet accord, ou en tout cas faire tomber des armes, bien évidemment, pour forcer le rachat. Après ça ne servira à rien, parce que là tous les terreaux sont armés. Et what the hell. Tas qui va faire un aid sur le dernier round, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non, il en prendra que 4. Autant pour moi,
J'ai pas tout compris ce qui s'est passé, on va pas se mentir, on l'a tous vu ce petit lag là. Et ça, normalement, ça veut dire que VP a gagné, hein. C'est pas une question de spoil, hein, mais bon, voilà, vous l'avez vu. Mais ouais, putain, en tout cas, on a eu un Taz quand même avec cet AK qu'il a récupéré, qui arrive à prendre 4 kills, pas loin de prendre le 5ème. Après, il aurait pas eu le temps de désamorcer la bombe, mais en tout cas, l'exploit était là. Taz qui est à 30 kills, hein, mine de rien, il est très très chaud ce soir. Et on a vu le lag, hein, donc maintenant la question c'est de savoir à quelle sauce les CW vont être mangés sur ce round. Hein. Et du coup là on a quoi? On a Freeze avec la VP, Freeze qui va être plutôt safe. Par contre Acillion qui lui va se faire littéralement courir dessus par Taz. Bonne opération. On est désormais en situation de 5v4, avantage numérique côté Virtus Pro. Et là à mon avis l'hémorragie est déjà bien engagée côté double. Par contre pourquoi je m'entends en double? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Allo allo. Apparemment c'est Benji qui faisait de l'écho. Il avait fucké de son micro, du coup je m'entendais, je comprenais pas trop là. Ça m'a un petit peu perturbé pendant ce temps, du coup j'ai même pas vu le dernier round parce que j'ai fait un back windows pour comprendre ce qui se passait. Et au final c'est un 16-14 en faveur des VP, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, je suis désolé.